C'est bon. Judith Ayawa, bonjour. Voilà, j'ai partagé. J'étais en train de partager ma vidéo. Touchami Cissé. Attendez, faut que j'ai oublié mon livre. Où j'ai mis mon livre? Ah, mon livre, il est là. Excusez-moi, je vais prendre mon. Coucou, bonjour, 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 bonjour. Allez-y, sortez, la madre Francine Ba est présente, la femme lourdement mariée du méta. C'est ça, donnez le cœur. Donnez le cœur. Il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Oh, 100 personnes déjà. Oh non, je vous adore. Mettez le cœur à votre madre. C'est ça qu'il s'agit. La femme lourdement mariée du méta. Hey, y a rien dans la jalousie. Partagez, mettez les cœurs. Bonjour, bonjour mes Amazones. Bonjour mes guerriers. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oh, les cœurs. J'ai fait trembler autant. J'ai fait trembler autant. Mais j'ai mon brassard de la Groumacha du métro. Oui. Mettez les cœurs. Appelez-moi Ploplonou Avio. Ploplonou Avio, c'est son petit nom. Amakori. Avio, Ploplonou Avio. Avio, la Jankal de Makori, ton petit nom de prostituée, Avio. Est-ce que vous savez que Ploplonou Amakori, on l'appelait Avio? Avio, je chaîne, non? C'est le vrai point. Le livre, le cœur, le livre, le livre. N'oubliez pas, hein, le sketch tout à l'heure. Je vais vous mettre ça zo. Et vous devez partager ce qui les dérange. Mais ça m'a sonné mes guerriers. Je vous dis bonjour depuis votre position. Mais si vous êtes sur ce live-là, c'est pour que vous puissiez partager, mettre les cœurs. Voilà, partager dans plusieurs groupes. Quand je sors de là. Quand je sors de là, au moins, il faut qu'on ait beaucoup de partage. Est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au courant que Ploplonou s'appelle Avio? Son nom de prostitution. Amakori. Avio. Avio. Jantra. Avio. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo là. C'est ça. Voici le livre. Voici le livre de ma Juju Emmanuel Keïta. Mise à nu. C'est ça qui est le vrai point. Mise à nu. Voilà. Ce qui dérange. Et qui pensent qu'ils peuvent détrôner la redoutable madre. Je suis la redoutable madre. Je suis la redoutable madre. Il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, on va l'inventer. Il dit, je suis calé. Cherchez encore, trouvez encore, envoyez encore. Mais ma cible, c'est Teiso dents tirées, dents pourries superposées, la sorcière du métal, la boniche de Emmanuel Keïta. C'est ça qui est le vrai point. Pourquoi quand je vous dis ça, ça vous fait mal? C'est qui est la vérité là? Ploplonou, avio. Avio, ploplonou. Avio. Ploplonou. J'ai commencé le mien. Ah, tu as commencé le mien. Avio. Tu
Sissoko, il y a aussi la Gourbatcha. Actuellement, la maison Amazon et mes guerriers, je vous salue depuis votre position. Sachez que j'ai bien dormi dans les bras du prince charmant qui est mon mari. Au calme. C'est ça qui est le vrai point. On dit le socle de la famille, c'est l'homme qui est derrière. Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est vent. Donc, vous allez sauter, descendre. Ce qui vous fait mal, là, quand vous voyez mon homme, ça chaille. Donc, vous dites que quoi? Oui, on va dire que c'est une femme qui trompe et puis l'homme, il connaît son mousseau. Je vous ai déjà dit et j'ai déjà répété qu'il connaît son mousseau. Oui, 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 je suis la femme lourdement mariée avec le brassard du mariage, Rora, qui connaît la valeur. Oui, c'est ça qui est ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez envoyer, qu'est-ce que vous allez faire. Puis moi, maman Francis, ça va me déstabiliser. Jean, il y a trop vous laisser. Bon, maudit à matin, midi, soir. Poplonou, ton bas bien clôturé. Poplonou, ton con pourri qui pue. Poplonou, ton con déjà depuis 13 ans, toi, on te mougou. Avion. Avion, depuis que tu es petite là, on te traîne, on te mougouille quand tu as deux enfants là. Hein? C'est enfant de train. Tu as soulevé tes enfants qui sont là-bas là pour aller déposer à une autre personne qu'on ne connaît pas le père. Tu es obligé d'attribuer tes deux enfants là à un père inconnu. Tellement t'as violé, on t'a traîné en Makori. Avion, plan. Tu es quitté là-bas, ça ne t'a pas suffi encore. Tu es venu à ta malédiction de Ploplanou. Son nom de Djangjou, c'est Avio, hein. C'est Avio, Ploplanou. Partagez, est-ce que vous partagez même? Est-ce que vous partagez la vidéo là? Est-ce que vous partagez? Oh, partagez. Je suis la grande soeur de Eka. Je suis la grande soeur de Eka. Oui! Je suis la grande sœur d'Eka. Je suis la Gourbatcha. Je suis la Capricorne. Je ne recule pas, je fonce. C'est petit ce que vous êtes en train de faire là. C'est petit ce que vous êtes en train de faire. Je dis partager parce qu'après, après, je vais vous déposer, comment on appelle, le sketch de Tyson. Et vous devez partager ça parce que c'est ça qui les dérange. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait une réunion dans leur caverne de sorcellerie. Que la tête à battre, là, c'est Maman Francine Ba. Si on enlève Maman Francine Ba dans le combat, on a gagné le combat. Je vous ai loupé. Je suis calé. Je suis calé. Je dis, je suis popo dipo. C'est petit encore. Vous avez fait quoi? Donc, attends. Ah, ok, d'accord. Donc, vous n'êtes pas sûr. Ah ben quand Gayakou t'a dit là, c'est pour aujourd'hui là, donc vous n'étiez pas sûr. Quand Gayakou t'a dit là, vous attendez encore confirmation. Je pensais que vous avez déjà validé ça. Je pensais que vous avez déjà validé. Donc Gayakou t'a pris 20. Dieu ne peut la féliciter. Donc Gayakou t'a dit, c'est que tu t'es dit là, tu n'étais pas sûr de toi. Et que tu avais besoin maintenant que on parle pour te dire, ma chérie. Donc vous êtes surpris en même temps que wouh avion surpris wouh voice on dit encore jusqu'à 5h du matin même dans la culotte wouh avion voilà la preuve, c'est ça qui est votre preuve. Moi j'attendais la preuve, la fameuse preuve que tout le monde attend sur le métal. J'ai dit allô, oh, laissez là. Celle-là, elle fait Jean sur le métal. Il y a Mouroussa, on laisse ça. Il y a Mouroussa. Mais gémissement qu'on attend là, c'est gémissement, maman Francine Ba. Gémissement, on attend là. C'est maman. Vous avez oublié gémissement. Vous avez oublié gémissement qu'on attend là. C'est pour maman Francine Ba. Et c'est voice là, vous sautez dessus comme ça. Oh, honte. Mais je vous dis, c'est petit. Envoyez une nouveauté encore. Partagez la vidéo là. Je suis calé. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Dites que la madre et la femme lourdement mariée est celui-là. Elle est calée. Elle est popo dipo. Elle est calée. Qu'on sent la honte dans tes yeux un peu. Donc toi, tu détectes la honte dans les yeux des gens. Tu détectes la honte dans les yeux des gens. Tu vois, c'est moi, mais.
mes gémissements là que tu attendais là-bas. Ali Makabara Pio, j'ai commandé mon livre. Merci la grande sœur. Merci, merci. En tout cas, à chacun son livre. C'est ça le vrai combat. À chacun son livre. Achetons massivement le livre. Voilà, c'est très très important. Le livre est là. À chaque fois quand je vais faire une pause, je mettrai le livre dans mon live. C'est ça qui est le vrai point. Le reste, c'est du vent. Voilà, cherchez encore. Cherchez encore. Vous avez partagé la vidéo, merci. Je me présente, je suis la madre Francine Ba. Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Ou Francine Ba, la baronne. Là, actuellement, je suis sur la baronne. Parce que pour le moment, Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre, a un petit souci. Ils ont tellement signalé que voilà, je ne peux pas encore faire de live, ni publier quoi que ce soit. Donc, sur Francine Ba, la baronne, c'est là que vous devez massivement vous connecter. Vous devez activer la cloche de notification. Oui, parce que tout à l'heure, je vais mettre Lucie Bodakourou, acte 4. Si, c'est ça qu'elle a. Le direct est signalé. Mettez les cœurs. Les gougnons sont dans le quartier. Les gougnons sont dans le quartier. Mettez les cœurs. Elles sont combien même? Les vieilles rombières. Je vais chercher la musique de mon fils Jesse J. Voilà, le générique. On va mettre ça. Je vais aller chercher. Partager. Je vais aller chercher le générique. Où est ça? Le générique de la musique. Les vieilles rombières. Mettez les cœurs, c'est important. Je vais aller sur ma page. Oui, je vous aime. Ne vous inquiétez pas. Je vois beaucoup de messages d'amour. Quand tu as aimé, tu as aimé. Hein? Quand tu as aimé, tu as aimé. Vous sautez dans sac de piment. Allez-y préparer les loups, la Cali. C'est ça qui est le vrai point. Attends, mon fils, attends. Zouzoué, attends. Attendez d'abord, je mets ceci. Attends mon fils, calme-toi. Avalisez au rond bien haut. Mettez la cœur. C'est ça le vrai point. Attends, viens me reparler. Coalition de Rombiao.
Apparition en rombi, Bon, on va le voir, tout arrangement, il y a un dérangement. Qui chante? C'est mon fils Jesse Dieu, le pape du Jenzeli. C'est lui le chanteur, le metteur. Qui dit, occupe-toi de mon mari. Aïe, qui vous a dit? Je m'occupe pas de mon mari, je vais bien vous babou. Aïe, occupe-toi de ton mari. N'importe quoi. Je vous ai loupé d'abord. Attends. Vous pensez que quoi? Mettez le cœur. Des bordels réunis comme ça, des vieilles rombières poclées. Des vieilles rombières poclées. Vous allez faire quoi à qui? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le métal que vous allez créer pour déstabiliser qui? On n'a pas vu quoi? Attendez, je vais aller chercher. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Mettez les cœurs, merci. Je pense que ça doit être ça. Attendez. Vite, si tu es content, y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Louti, y a un dérangement. Si tu as bien bon héros, y a un dérangement. Y a quelqu'un qui est jaloux. Enfin, y a un dérangement. Tout arrangement. Y a un dérangement. Tout arrangement. Tout arrangement. Y a un dérangement. Tout arrangement. Y a un dérangement. Vite, si tu es content, y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Louti, y a un dérangement. Si tu as bien bon héros, y a un dérangement. Y a quelqu'un qui est jaloux. Enfin, y a un dérangement. Tout arrangement. Y a un dérangement. Tout arrangement. Tout arrangement, y a un dérangement. Tout arrangement, y a un dérangement. Si tu es content, y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Louti, y a un dérangement. Si tu as bien bon héros, y a un dérangement. Y a quelqu'un qui est jaloux. Y a un dérangement. Tout arrangement, y a un dérangement. Tout arrangement. Tout arrangement, y a un dérangement. Tout arrangement, y a un dérangement. Vite, si tu es content, y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Louti, y a un dérangement. Si tu as bien bois la y a un dérangement. Y a quelqu'un qui est jaloux. Y a un dérangement. Tout arrangement, 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 y a un dérangement. Vite, si tu es content, y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Louti, y a un dérangement. Si tu as bien bon héros, y a un dérangement. Y a quelqu'un qui est jaloux. Enfin, y a un dérangement. Tout arrangement, y a bon dérangement. Merci, merci mes Amazones, merci mes guerriers. Il faut que ça monte, il faut que ça monte pour que nous puissions arriver à 1000 personnes et partager la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, il y a certaines personnes sur le métal là, ils n'ont qu'à fermer les bouches. C'est ça que le vrai point. Eh, mais comme c'est le béret que tout le monde veut mettre la bouche dedans. Sinon, il y a un groupe là, il y a un couple qui est sur le métal. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à fermer la bouche. Eux-mêmes, la femme même était dans le foyer, puis quelqu'un allait soulever ça comme ça pour venir déposer à la maison. C'est-à-dire, jeter le blanc là.
jetez le blanco par les princes, mougoussa, entendant, taisez-vous. Vous seulement passez à côté, parce que vous-même, votre tromperie l'a dépassé le Pro Max. Donc vous devez vous la fermer même un peu. C'est ça qui est le vrai point. Donc, vos conneries où vous venez parler, parler là. Son mari l'aime. Dieu sait son fils. Eh, mon mari, fanta de son dialogue, ça a tué. C'est même pas ça qui est le problème. Donc, mettez le cœur et partagez la vidéo là, s'il vous plaît. J'ai dit, vous dites quoi même? Les vieilles, j'ai vu passer, j'avais l'impression de voir mon fils Jessie passer. Oui, parce que quand il est sur mon âge, je le vois. Oh, c'est ça qui est le vrai point. Allez-y vous tuer en groupe. Je vois sur les pas des vieilles rombières, les vieilles sorcières. Je vois les drapeaux. Je vous salue depuis votre position. Et puis merci pour tout. Merci pour votre amour. Merci pour votre considération. Oui, je suis la femme digne lourdement mariée du méta. Ça chauffe pas, ça peut j'ai chauffé. C'est que vous avez voulu entendre parce que mon fils Jesse J était en ligne, il ne savait pas qu'on l'enregistrait. Cette dernière pensée est retirée dans sa bouche. Oh, je mougou cette vieille-là. Mais zéro pointé. Elle n'a pas eu ça. Jusqu'à mettre ses deux mains comme ça. Ah, en tout cas, je ne peux pas mentir. Oh. On t'avait envoyé de mentir. Tes vieilles rombières, on dit, il faut rajouter qui t'a dit. Chilo sans valeur ajoutée. Chilo, la gémisseuse internationale du méta. Chilo, la crieuse du méta. Celle même qu'on n'a pas encore boué. Celle même qui est en train de faire la pipe, mais c'est elle qui gémit, puisque lui-même qu'on fait la pipe. On en parle. La gémisseuse internationale. La faiseuse de placali internationale. Celle même qui pense que on l'avait déjà dodo d'après les gens viennent nous faire. Tu es la pas flotteur. Donc tu mens aussi. Tu es une menteuse Pro Max. On peut s'asseoir, se donner un genre. Et puis on peut aller te mougou dans une maison, même quand on regarde même là. Une maison où la personne a déménagé rapidement dans un drap quelconque. Un drap qui n'a pas de sens. Un drap, une couette là-bas ramassée rapidement. On te prend deux tonnes, tata mougou, pa. Où les gémissements étaient lourds. Bon, avant de continuer, vous venez, vous mettez tête de moi pourquoi? Hi, on est dedans? Vous mettez tête de moi pourquoi? Hi, vous m'avez appris? Vous avez pris la partie là, vous avez déposé sur vos pages là-bas, pensant moi me déstabiliser. Je suis la gourou macha du méta. Je suis la gourou. Il n'y a pas aucun. Envoyez encore ces petits. Hey, il y a donc ta boue avec couette pourrie. Quand on regarde ton allure sur le méta, on regarde ta manière sur le méta, on peut te boire comme ça dans couette pourrie. Attends, mon fils, Jesse, je le pas bien. Il faut respecter quand même la femme. Il faut quand même respecter la femme. Tu ne peux pas quand même utiliser une couette de valeur misérable qui n'a pas de nom pour que cette personne-là se donne un Jean-Jean sur le bêta. Et puis tu peux la boire facilement comme ça avec un drap souillé quand même. Un peu de respect quand même pour la femme. C'est ça, parce que ce genre de femme avec une coach Pro Max, une coach internationale, une coach des Mougoulis, une coach des Mougoulis, aïe. On peut insulter sa camarade bordel comme ça. Puis toi-même, tu es la bordel numéro 1 du quartier. Ah, je comprends. Tu es dirigé par une coach bordel aussi. Donc c'est normal. Une bordel peut que enseigner une bordel dans le quartier. Nous sommes tous bordel. Et voilà, si moi, maman, je suis infidèle, c'est que ta coach est infidèle numéro 1. Parce qu'ils l'ont baisé même à Abidjan là-bas au calme. Avant de te lui donner poste. On en parle? Avant d'avoir son émission, ils ont cassé son petit. C'est ça que le vrai point. Mais comme ils ont déjà soulevé son habit, ils ont déjà vu le pétou de ta chef. Donc, pour qu'on va lui donner quoi? Deuxième chance. C'est ça que le vrai point. Mais je comprends. Je comprends. Tu n'es pas digne d'être enseigné par une personne digne. Parce que deux dignités bafouées. Une prostituée peut que enseigner l'autre prostituée. C'est ça que le vrai point. Donc tu ne peux rien te faire aller mougou gémi. Elle t'a dit de mettre ton pied sur caillou. Toi tu t'as mis ton pied sur comment on appelle œuf pourri. On peut faire ça. On peut mettre son pied sur œuf pourri. Oh là là. On peut faire ça. T'as quoi tu es bordel la mougou partout. Donc c'est normal que toi tu te fasses sauter comme ça.
gratuitement, avec rien du tout, avec un gars qui ne te donne rien, mais toi tu mises sur moi, puis on te mougou au calme. Tu as parlé aux gens? Tu as parlé aux gens? Tu parles à qui? Attendez d'abord. Attendez d'abord. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Je cherche une vidéo là. Voilà, attendez. Oh là là, mais je vois pas. Je vois pas la vidéo là. Qui m'a envoyé ça? Mettez le cœur, c'est le plus important. Mais Amazon est guéri. Je regarde dans la coalition des vieilles rombières. J'arrive pas à ouvrir. Dans la coalition des vieilles rombières. Si je dois les citer, ce sont des vieilles sans dents, des vieilles prostituées, des poclés naillots, regroupés ensemble pour venir, moi, maman Francine, vous pouvez me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Allez-y chercher encore. C'est pas ça qui sort. Ok. D'accord, je vais regarder. Je vais regarder, merci. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Merci. Que je dise. Non, mais la duchesse est là. Est-ce qu'il est sur côté là? Tu peux dire depuis tout à l'heure que mon fils est clash, mais il n'a pas Zoyongo là. Elle n'est pas importante, mais si tu as envie que je dise. Ok. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Il a dit, il y a un groupe de vieilles rombières qui ont voulu, qui sont sur le méta, qui veulent détruire Emmanuel Keïssa. Moi, maman Francis, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je vais chercher mon bâton là. Est-ce que j'ai mon bâton? Où est mon bâton? Mettez les cœurs. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai dit, vous allez passer sur mon corps avant d'atteindre Emmanuel Keïssa. C'est moi qui ai dit ça. Oh. Je prends la queue. Partagez la vidéo là. J'ai dit, vous allez passer sur mon corps avant d'atteindre Emmanuel Keïssa. Et je ne vous lâche pas et je ne vous lâcherai pas. Vous avez regardé, regardé, vous avez réfléchi. Tu dis, attends, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme-là même qui tient bon, qui n'arrête pas? Il faut qu'on trouve une solution. Votre réunion à deux balles là, que vous faites dans vos casernes là, j'ai tous les papos ici. Votre réunion de non, laissons ça attaquer, maman Francine, il y a tous les papos. J'ai dit, c'est petit. J'ai dit, envoyez encore. Si c'est pour ça là, envoyez de partager la vidéo là, c'est ça qui est le vrai point. Voilà une vieille femme de Gayakoutet, brique 20, celle même qui a la matière fécale dans la tête, celle même qui a rien foutu de sa vie à part le Danjouya Promax, celle qui a passé son temps à être Mougou, mais c'est normal. Si actuellement elle avait, qu'on appelle Avio, Ploplonou, dans pourri, Ploplonou était une prostituée. Dans la prostitution de Ploplonou, dont il est à l'âge de 13 ans, où elle est en train de se faire baiser carrément, voilà, à Makori, moi, maman Francine, bah, j'avais une dignité, un respect tranquille, et j'étais avec l'éducation de ma famille. Mais Ploplonou, à l'âge de 13 ans, a été pilonné, Djondjou, elle marchait pied nu. C'est à pied nu, sans chaussures, dans Makori là, pour aller se retrouver à Makori Gazoua là-bas, pour qu'on puisse la mougou jusqu'à ce qu'un enfant sorte dans le ventre de Ploplonou. Ploplonou, je vais te dire,
Tu parles des preuves. De toute façon, je prends Facebook à témoin. Facebook. Plop-plop-nous. Attirer la guerre à Maman Francine Ba. Donc, on va aller dans la guerre. Plop-plop-nous. Avio. Avio, son petit nom de prostitution. J'arrive à Gayakoutet. Son petit nom de prostitution. De Makori. Elle s'appelle Avio, hein. Elle s'appelle Avio, hein. Avio. Quand vous dites Avio là, elle comprend. Quand vous dites Avio là. Quand vous dites Avio, elle sait. Plop-plop-nous, Avio, à l'âge de 13 ans, a eu des enfants. Et ces enfants-là n'ont pas de père. Elle a donné le nom des pères qu'elle ne connaît pas. Avio, Avio a donné des noms des pères qu'elle ne connaît pas. Elle a attribué, sinon le nom des papas qu'elle porte là, ce n'est pas le nom de leur papa. Oui, plop-plop-nous, Avio. Plop-plop-nous, Avio, tu dis que tu as les papos. Et que tu as fait, faut sortir les papas de Mougouli, là. Je vous donne, sortez les papas. Attends, mais c'est bizarre. Non, Avio, pas Avion, hein. Avio. Avio. Plop-plop-nous nous dit que elle a passeport diplomatique. C'est gâté, mon fils. Oui, c'est Avio. Qu'elle s'appelle, à Makori là-bas. À Makori, dans le coin des trucs, là. Elle s'appelle Avio. Quand tu dis Avio, là, tout Makori connaît Avio. C'est son petit nom de Djandjouf. À l'âge de, quand les gens sont adolescents, là, Avio est en train de se faire mougou mougou là-bas. Avio. Donc son nom c'est Avio. Plop-plop-nous Avio. N'oubliez pas, plop-plop-nous Avio. Plop-plop-nous Avio. Je prends Facebook à témoin. Quand plop-plop-nous, elle doit me sortir mes papos. Elle doit sortir les ébats de Maman Francine Ba. Elle doit sortir les gémissements de Maman Francine Ba. Elle doit sortir tout ce qui se passe. Elle doit sortir. Plop-plop-nous. Tu dois sortir le scénario que Chilo sans valeur a fait avec Jessie Dieu. Se lever de chez elle. Et elle laissait son mari Grataou pour aller préparer pour un gars pour la mougou chez elle. Tu dois me sortir le scénario de Maman Francine Ba pareil. Elle laisse son mari pour aller se faire mougou pinailler par quelqu'un, et puis elle vient s'asseoir. Hier, yeah, toi-même, plop-plop-nous, Avio, c'est toi qui étais assise là, venu casser pour dire que non, tu as mougou. Elle est sortie pour dire c'est mon assaut. C'est mon assaut, la honte. Moi, du premier jusqu'au dernier, j'ai dit, il n'y a pas eu mougouli avec mon fils et moi. Je reste, je demeure. Oh, si y en a, sortez-moi ça, vous parlez trop. Sortez ça. Vous discutez trop. Vous prenez la voix. Il a dit que oh, c'est que les gens disent sur Facebook. Ben, c'est pas ce que vous dites sur Facebook. Vous dites sur plop-plop-nous Avio. Vous dites sur Facebook. Gayakouta est venu dire sur Facebook que je dis je suis fan de Jessie J. Gayakouta t'a dit sur Facebook. Donc, il dit on dirait que c'est que les gens disent sur Facebook là, c'est ça, hein. Il vous a dit. Mais vous étiez en train d'attendre comme ça. Il va dire quoi, oh? Il va dire quoi, oh? Attends. On dirait qu'il va dire qu'il a mougou, oh. Mougou, il vous l'a pas dit. Oh, mince! On attendait cette partie-là. Mince, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, mince! Mais bon, c'est pas grave. On va mettre quand même. Quand on va mettre là, on va attendre, hein? Il discute jusqu'à, sous la culotte. Sous la culotte! Sous la culotte! Sous la culotte! Ah, donc elle parle de sa culotte alors. Elle dit quoi, sa culotte hier, elle a mis string. Ah, hier, elle a porté quoi? Rouge. Ah, j'ai quelque chose dans la culotte. Ouh, la culotte. La culotte. Quoi, la culotte. On commence à partager. On fait les captures. On fait les choses, la culotte. Il dit, vous n'avez rien dit. La culotte même est petite. La culotte même est petite. C'est ça que le verbe. Avio, la culotte est petite. Mais Avio, je vais te poser une question. C'est normal que tu sois maudite depuis petite. C'est normal. Ta tante qui a Alzheimer, là. Ta tante qui a les trous mentaux, là. Ta tante qui est tolole, là. Que son mari l'a jetée depuis qu'elle était jeune. Et puis elle ne s'est jamais remise, là. Ta tante qui se retrouve actuellement en France ici avec ta mère. Facebook, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Avio, tu as hérité de la malédiction de tes parents. Oui, parce que ta tante là,
que son mari l'a jeté depuis qu'elle était jetée, abandonnée, puis ta tante est devenue folle, folie, maladie l'a pris dans sa tête là. Il a dit ton papa là, il a dit c'est quand tu as commencé là. Je vous préviens sur Facebook, faut pas demain maman Francine bah. Non, papa là tu as sorti, il est sorti pour moi. Avio, papa là tu as sorti, il est sorti pour moi. Ta tante a 3 enfants. Il y a un qui a déjà paix à son âme. Il y a un qui est décédé, paix à son âme. Lui, on va le laisser tranquille, reposer en paix. Mais ta tante a eu 3 enfants. Avio, plop-la-nous, avio. Plop-la-nous, la soeur de ta mère, que son mari a jeté comme toi, t'as jeté. Fais attention, hein. Sinon, à la fin, tu vas avoir Alzheimer. Ta tête va péter. Par une façon, on t'a jeté. La fin, c'est folie qui a te prendre comme ta tata. C'est folie qui a te prendre comme ta tante. Parce que dans vos familles, là, on vous jette seulement. Dans vos familles, on vous prend avec des enfants, puis on vous abandonne. Clair. Donc la maladie de ta tante, c'est ça qui est sur toi. La maladie de ta tante, là, c'est ça qui est sur toi. Actuellement, ta tante est là. Et puis ta mère, là. Les deux sont présents ici, en France. Ils sont venus se soigner. Ben, les deux, là, elles sont devenues zinzin, tolol, dans leur famille. Proprement-nous. Avio, proprement-nous. Mais si le propre nouya est dans ta famille depuis des belles durées, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute si propre nous est dans ta famille. Toi, tu ne vas pas terminer car tu as les... Attends, laisse. Il va aller regarder loin là-bas. Il va avoir le temps de courir. Propre nous. Propre nous. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ma faute. C'est héréditaire. C'est héréditaire. C'est ça. C'est ça qui est le vrai point. Donc ce n'est pas de ma faute. Si tu as hérité de la proplomania depuis ton enfance, si tu as hérité de depuis tu es né la proplomania là, ce n'est pas de ma faute. Va voir, va te laver, pardon. Moi, tu dis non que oui, j'ai couché. Femme dit, moi, il dit, Jésus, ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Mais toi, tu ouvres la bouche quand d'autres parlent. Toi, la honte, deux frères, abomination, deux frères de la même famille qui ouvrent ton pétou, qui te mougou. L'autre laisse, l'autre te mougou. Tu sais ce qu'on appelle? Ça c'est pire même. Abomination d'abomination. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu as hérité ça de ta famille. Tu as hérité ça de ton père. Tu as hérité ça de ta mère. Tu as hérité ça de ta tante. Donc c'est normal que tu trimbales ça. Depuis jeune, c'est dans ta tête, ma chérie. On ne peut pas coucher deux frères. Va te laver au village. Va te nettoyer. Tu es rempli de malédiction. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que tu es rempli de malédiction. Les gens t'encouragent, ils te regardent, ils rigolent. Mais tu es maudite à jamais. Tu es maudite à jamais, plop-plop-nou. J'ai pitié de ta descendance. Hein? Plop-plop-nou. Abomination. Ouch! Ouch! On peut faire ça. Il a dit, tu défends qui? Sur le corps d'amour là quoi. Ah, tu as venu t'asseoir là. Vous mettez tête de main pourquoi? C'est la vérité qui vous fait mal. Elle, ça n'a pas mougou. Elle a mougou à deux frères. Attendez, il y a bien écouté. Pas à pas, mon papa d'abord. Il y a bien écouté, mon papa. Il a bien écouté, mon papa. Vous n'avez rien dit. Le papa de la gloire glorieuse. Plop-plop-nous. Que je ne voulais pas descendre pas. J'ai mal au dos quand je réponds à ces personnes-là. Oh là là,
Non, mais ça c'est la ça, la duchesse de l'âge qui est ce côté là, tu peux dire devant les étalons qui m'ont fait. C'est clash, Brigitte. Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Partagez la vidéo là. Hein. Je cherche mes papos. Plop plop nous avio. Oh là là. Plop plop nous qui m'envoie 50 étoiles. Merci. Plop plop nous avio. Avio, plop plop nous avio. Plop plop nous, plop plop nous, plop plop nous. Voilà. Je vais écouter mes papos. Mettez les cas, s'il vous plaît. D'abord, on va commencer. C'est l'entrée en matière. Après, je vais faire mon sketch. Tout ça là pour. Et puis, si je vais me partager. Hein. Ok. C'est où? Mettez la queue. Plop-plop-nous. Tes enfants là, est-ce que c'est le nom de tes vrais papas? Parce qu'à 12 ans, 13 ans, tu commençais à chercher garçon. C'est ça que le vrai point. Plop-plop-nous, tes deux enfants là. Hein? Ton coin là, c'était Makori Gasoil. Quand ils vont se promener, puis ils n'ont pas eu goal pour Mougou là. C'est toi qu'on ramasse dans le quartier, quoi. Puis on te tatamou. Tu étais le restangolo. C'est-à-dire que le Dekwali. C'est-à-dire que la personne qu'on a cherchée dans le quartier, on n'a pas encore eu. La petite fille sans chaussures là, on la prend, on la met au quartier, puis on la Mougou comme ça, puis on la dépose. On continue. Voilà. Et puis même, on dit, on te traîne. Le soir, là, Makori Gasoil, là, c'est trois gars qui te mougou, les trois. Hein? Les trois te traînent même à Makori Gasoil, là-bas. C'est dans ça que tu es tombé enceinte. Et puis, tu ne sais pas à qui appartient le bébé. Tes enfants, là, c'est trois gars qui t'ont traîné. Mettez le cœur. Les papos, mettez le cœur. Plop-plop-nous, avio. Tu as été traîné par trois gars. Donc, tu ne sais pas à qui appartient tes enfants bâtards qui sont, voilà, Abidjan là-bas. Là. Hein? Les trois là, tu ne sais pas à qui tu as donné. On continue. Aïe, papa là, ça, depuis, bah, tu y es joué. On rentre. Tes enfants sont nés sans père. Tu as distribué tes grossesses aux gens. Comme tu as distribué tes grossesses actuellement à Kanté, après, chose qu'on appelle. Tu as distribué. La Donia, je te claque le bisou depuis ta position, la Donia. En tout cas, bisous, bisous là-bas. Tes enfants, là, tu as attribué ça comme ça. Ils sont sans père. Aïe. Tes enfants ont le même comportement que toi. Plop-plop-nou avio. Mettez tête de moi là-dessus. Mettez tête de moi là-dessus. Ce que je dois bloquer là. Mettez tête de moi. Parce qu'il y a tellement. Il y a tellement de commentaires. Tu n'as même pas 40 ans. Tu as déjà 7 gosses dans ton ventre. 7 enfants dans ton ventre. Tu as dit que non, c'est une grâce. Tu es une bordel, une prostituée, une mougousseuse. Une djandou. Donc c'est normal que tu as défendu ta cabana djandou, djakan. Quand tu me regardes là, tu penses qu'on me mougou pour génie comme ça. Vous des bordels réunis. Mais c'est normal que tu sois un gaillacou tête. Mais un bordel connaît sa cabana bordel. Pute du quartier. C'est ça que le vrai point. Maudite fille, malédiction. Tu es maudite depuis ta génétrice.
Tu es maudite depuis ta naissance. Tu es maudite depuis. Et puis tu as distribué ta malédiction à tes enfants. Oh, c'est moi qui dis ça. Ça ne chauffe pas, ça ne fait jamais chauffer. Oui. Tu prends les soins. Propre nous, il n'y a pas de problème. Je vais te démontrer de A plus B comment toi tu es allé en France et comment ta grande soeur allait en France. Il y a te démontrer A plus B. Oui, les trois enfants de ta tante là, Ismaël, Maël, et puis, Ismaël, Maël, paix à son âme. Maël, il est décédé, paix à son âme. Puis Gilou, le gardien, ton neveu, ou bien je ne sais pas ton quoi, ou bien ton cousin, Gilou qui se trouve actuellement qui est gardien là. Toi, tu dis que tu as comme entreprise de voiture. Et puis ton frère Gilou, ou bien ton cousin Gilou est gardien là-bas. Et puis tu ne peux pas prendre pour qu'il travaille. Menteuse, pas flotteuse, mytho. Tu es la menteuse, la sorcière, la diablesse de Facebook. Eh, les papos, ça descend. C'est ça que le Gilou là. Gilou, ton cousin Gilou. Les photos, tout est calé. Il a dit, on va faire ça propre. On va faire ça propre. Toi, tu es maman dans ce jeu. Il a dit, on va faire ça propre. Pas à pas. Tu connais pas encore. Plop plop nous. Mettez le cœur. Toi, tu as attribué les grossesses au papa. Tu as attribué tes grossesses au père. Tu veux rentrer dans ce jeu et moi. Tu es rentré dans un processus. Ou tu penses que tu es trop dangereuse, ma chérie? Il dit, si tu es prête, je vais te démontrer comment ta grand-sœur est partie en France. Comment toi-même tu es partie en France. Et comment Ismaël, ton cousin, est parti en France. Parce que Ismaël, ton frère, là, ton cousin, c'est un bain. C'est un pédale. Et puis c'est un pédale qu'il a envoyé en France. C'est un pédale. Ton cousin Ismaël, c'est un pédale. Et puis c'est un pédale qui t'a envoyé, voilà, qui l'a envoyé en France. Et on va démontrer ça de A, de A, de Gilles ou est Gilles. Il a bidé, il souffre. Tu ne peux pas t'occuper de lui. Même Saint-Franc, tu ne peux pas t'occuper de lui. Que non, j'ai entreprise. Tu ne peux pas t'occuper de Gilles ou. Ta tante qui a Makori là. Hein? Ta tante qui a Makori, voilà, qui a Makori là. Elle a abandonné. Tes cousines qui sont à Sainte-Thérèse là. Il a dit. Tout ça là, ta grande soeur partait là-bas. Il a dit, tout ça là, c'est là comme ça. Je suis prête. Il a dit, on va envoyer le son. Tout ça là, on pleure pas, hein. Faut pas être surpris parce que tu as commencé, on va terminer. Tu as commencé, on va terminer. Hein, c'est toi qui viens t'arrêter ici. Toi aussi, viens prouver aussi. Viens si tu as fait ça, viens prouver. Sors, prouve. Parce que moi, je t'ai sorti ça. Il a été sorti propre nous. C'est moi qui te dis ça. Tu n'as rien vu encore. C'est pas Chilou, hein? C'est pas Chilou. Ne confondez pas. Si vous n'entendez pas. J'ai dit Gilou. Il n'y a pas de Chilou, hein? Il dit Gilou. C'est ça qui est le vrai point. Bon. Faut t'occuper. De toute façon, tu dis. Tu as dit dans ton live. Mettez-le que tu as dit dans ton live de t'occuper de mon mari. De causer à mon mari. De discuter à mon mari. Mais ta tante est là, non? Ta tante Alzheimer. Elle est tolo. Père, son mari l'a jeté. Elle a trouble. Va t'occuper de ta tante. Va t'occuper de ta tante que son mari l'a jetée là. Tu n'as pas le temps. Pourquoi tu es assis devant Facebook? Va t'occuper d'elle. Prépare pour elle. Envoie qu'elle mange. Occupe-toi de ta mère qui est là aussi. Qui a Alzheimer aussi. Pourquoi tu te fous? Tu es assis. Bon, tu n'as pas de mari parce que personne ne veut de ton pétou.
Moi, j'ai un mari, d'après toi, j'ai un mari, et si elle fidèle, c'est pas grave, j'ai un mari. J'ai un mari chez moi, mais toi, tu n'as pas de mari. Va t'occuper de ta mère Alzheimer, va t'occuper de ta tante Alzheimer. Prépare à manger, va le donner, va t'occuper d'eux. Tu es quel enfant maudite, enfant sans valeur, enfant sans considération. Va t'occuper, c'est important, tellement tu es maudite, tellement tu es maudite même là. Même tes marins t'ont jeté. Vous mettez tête de mort, ça a commencé. Vous mettez tête de mort, pourquoi? Même tes marins t'ont jeté, tellement ta malédiction a dépassé, a débordé partout. C'est ça. Si Jessie a Mougou, là, envoie les preuves, tu parles pour rien. Dépose les preuves, on va voir. Ces paroles, si on a vu Jémy, ses mains ici, hein, ça c'est pour plop, plop, nous. Si tu veux qu'on rentre dans la danse, je mets stop d'abord. Parce que les zones papo là, je vais garder les photos avec. Tout, je vais garder. Et puis on fait ça zo sur le méta. On fait ça zo sur le méta. Ta-ta-ta, oh. Ta-ta-ta, Zaymer là. Elle va prendre sa part. Ta mère Alzheimer va prendre sa part. Tes cousins vont prendre leur part. Tes soeurs vont prendre leur part. Au calme. Plop-plop-nous. Sors et prouve. Bon, la femme lourdement mariée va parler de... Il y a qui encore dans la coalition de merde là? Oui, ils sont dents tirées. Ils sont dents tirées. La boniche Promax d'Emmanuel Keita, celle même quand Emmanuel Keita part aux toilettes et puis elle lui donne les papiers hygiéniques et puis elle suit les fesses d'Emmanuel Keita pour jeter dans la poubelle. Celle qui lèche les bottes, qui met les lacets d'Emmanuel Keita pour pouvoir être clonée, pour ressembler à Emmanuel Keita. Celle même que sa personne, sa petite personne, ça dit d'abord, il y a la bad ground pour les travailler sur ta camarade. Cette misérable dont tirer tes sons, cette sorcière, cette mégère, qui est que son père, la Mougou. Ah, nous tous on est des mou. Mais pour vous, les dangereux, voilà quand même. Hein. Pour vous, là, c'est en famille. Pour vous, là, c'est en famille. Nous, comme Mougou, on va au dehors. Nous, on va dehors. Mais pour vous, là, c'est en famille. Tes sons fut Mougou par son père aussi. Donc vous, dans vos familles, là, c'est un sexe partout. Le général fut Mougou, sa fille. Attends, moi, je ne comprends pas. Vous êtes quel genre de coalition, puis vous Mougoussez en famille comme ça. Mettez les cœurs. Vous êtes quel genre de coalition, puis vous Mougoussez en famille comme ça. Si ce n'est pas papa, c'est frère. Si ce n'est pas frère, c'est enfant. Adam, on peut faire ça. Je comprends pourquoi vous êtes réunis comme ça ensemble. Dans la coalition des Mougoussions, dans la coalition des Salissus, dans la coalition de vraiment, franchement, des putains du méta, des prostituées du méta. Elle fut Mougou par son père et par son frère. Vous ne savez pas aller Mougou dehors. Un groupe de maudites filles, vous ne savez pas Mougou dehors. Si vous partout là, vous grave sortez. Allez-y, laissez la famille. La famille, c'est sacré. On ne mougou pas en famille. C'est ça, on appelle ça abomination. On appelle ça sacrilège. On appelle ça sacrilège. La famille, ça se protège. Vous mettez tête de mort, pourquoi? Mettez le cœur, sinon ils vont bloquer. Mettez le cœur. Coalition de malédiction. On peut faire ça. Taysof Mougou pas. Elle a Mougou. Son père a Tata Mougou Gola. Déchiré partout de Taysof. Déchiré l'anus de Taysof. Déchiré les parois de Taysof. Ils sont allés coûter. Taysof est devenu Lélé. Lélé you dans le quartier. Taysof est Lélé. Maintenant, lave les pêtes blanches. Taysof lave les pêtes blanches. Tellement elle est traumatisée par le mougouli du père et du frère, les chats noirs, la femme, le groupe de poclés. Gladys Kakou, je te claque le bisou depuis ta position. On peut faire ça? Donc vous, dans vos casernes, vous mougoussez avec vos parents. Vous mougoussez avec vos parents.
Vous mougoussez avec la famille, vous partez pas loin pour mougou. De quoi parle le texte? Malédiction sur malédiction, des maudites comme ça. On vous comprend. On vous comprend. On dit, est son oncle aussi, tu fumes mougou par l'oncle. Adama! T'as eu son fils mougou par l'oncle encore. Même avec le fils du copain, Théisson, la bordel. Bordel de Théisson. C'est ça que le vrai point. Hey! Vous voulez détourner Destiny. Il y a les papos chez Destiny là-bas, la mougousse familiale. Aujourd'hui, Emmanuel Keta te nettoie Théisson. Sale chose. Continue à caricaturer. Continue à faire des choses. Il y a mon gaba de ça. Il y a vous allumer dans vos petits. Il y a vous allumer dans vos parois. Il y a vous allumer dans vos clitoris. Il y a tiré ça des bordels de prostituées comme ça. Des mougousseuses familiales. Des insectes. Vous êtes là, insectes. Dans la maison, vous n'avez pas honte. Vous avez attribué ça à vos familles. T'es ce bordel. Pute, j'entra tout ça au bordel. Gueuleche. Boniche. Bonnie, je m'en ai dit, tu voulais la paix, Nemou. La coalition des putana. Tu as voulu Nemou. Mettez le cœur. La coalition des bordels. T'es sur ton enfant drogué. Elle est drogue. Au pays là-bas, drogué. Il y a moins de coalition des drogueuses. C'est normal. Que propre nous, un vieux te soutient, c'est un drogué aussi, un fume, un sniff. Mais deux sniffeuses peuvent se mettre ensemble, ce qui est logique. Je comprends votre coalition. Votre coalition là, je comprends. C'est ça qui est le vrai point. Des vilaines personnes regroupées dans une même caserne. Vous vous effrayez pas là-bas. Quand vous regardez, vous vous effrayez pas. Ça fait froid au dos, hein. Ça fait froid de vous voir réunis dans un endroit. Hey, vous n'avez pas peur de vous. Laissez la page, l'autre page là, qui fait des trucs. Mais laissez la page là. La page, elle fait son buzz. La fameuse page là, elle fait son buzz. Laissez-la faire. Quand il y a gémissement là, elle n'a pas pris ça pour couper, pour mettre ça sur sa page, hein. Gémissement, mais comme ils sont dans la coalition, c'est logique. C'est dans la coalition, donc maman Francine, mon dame est là-bas. Mais loup gémissement de Chilo sans valeur. Tu ne veux pas couper ça aussi pour faire montage, pour déposer ça sur ta page. Ça là, tu n'as pas vu. Ah, elle pourrait la, tu as regardé. C'est pour maman Francine, que tu as venu à la voilà. C'est pour maman Francine. Mais gémissement, loup gémissement de pipe en jachère là-bas là. Tu n'as pas vu ça pour coller quoi. Ah, vous faites comme si vous ne voyez pas. Ah, c'est voici, il a dit ça. Donc, tombe là-dessus. Il a dit, loup gros pipe que la fille est tentée de faire là. Tchè, 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 pa, brûle là. Il quand même propre, nous écoute ça. Propre, nous écoute comme il y a longtemps, il n'a pas mougou. Comme propre, nous, il y a longtemps, il n'a pas mougou. Mettez le cœur. Qui est venu mettre sur le bloc? Attendez, je vois un truc là, je ne vois pas. Comme propre, nous, il n'a pas mougou il y a longtemps. Voilà, elle dépose ses pieds, elle va gémir. Son clitoris a commencé à battre. Son vieux clitoris froissé depuis des années a commencé à battre. Tu as faute de ma copine. Elle se voyait dedans comme ça. Ma copine, gémissement de ça. On entend la respiration de ça. Fou. Oui, en train d'être excitée. Elle est excitée comme ça. Toi, ta camarade en train de taper pipe à son gars. Toi, tu es là, tu gémis, tu es excitée. Une pipeuse comme ça. Une dangereuse pipeuse. Une tapette de pipe. Numéro 1, on la loue pour aller piper les gens. Ça, c'est quelqu'un qu'on loue pour piper. Tu peux piper les gens comme ça. Une pipeuse. Quand elle va venir s'asseoir pour ouvrir sa bouche, regardez sa bouche de pipe là. Chiro sans valeur, regardez la bouche de pipe là. Quand elle va se mettre en l'air, elle dit bouche de pipe. Écrivez en bas, bouche de pipe. La pipeuse internationale, celle qui pipe grave.
Oui, oui, c'est ça qu'elle avait. C'est ça que le vrai point. Son nouveau nom, c'est la pipeuse sans valeur. Une tapeuse de pipe internationale. Ce sont des chiens. Gladys Kakou, ce sont des chiens en chaleur. Je te jure. La pipeuse. Quand Jessie est aimé pour Chino, 6 ans. Vous n'avez pas honte, 6 ans. On te pipe. On te dépose pas dans la maison. 6 ans. On te dépose pas dans la maison. C'est-à-dire, on te laisse. 6 ans. On te drogue. Ça fait 6 ans, on te drogue seulement. 6 ans seulement, tu es drogué. Tu pipes seulement. Il te laisse. Il va prendre. C'est-à-dire, l'autre. Il va te piper encore. Il te dépose. Tu avais espoir King Solo. Tu es resté 6 ans d'espoir King Solo. Mais tu es la pipeuse en arrière. Tu es la pipeuse. C'est toi qu'on vient trouver. Quand il s'en va jusqu'à sa première conquête. Sa première conquête. Quand tu dis non, je suis fatigué. Il retourne, il va piper là-bas. Tu pipes encore, il revient. Quand il va, quand il dit non, que je suis fatigué. Il retourne encore, il pipe là-bas. Tu es quoi? Tu es distributeur de pipeuses. Tu distribues ça, tu n'as pas honte. Toi, 6 ans, tu te dis que tu es trop belle. Je suis belle, je suis magnifique, je suis jolie, je suis jolie. Et puis tu es 6 ans derrière, en train de tu tapes les pipes sur moi, tu ne te mets pas dans la maison. Béa de l'éternel. Béa de l'éternel. Celle-même qui priait. Celle-même qui était en train de prier le Dieu. Béa de l'éternel. On peut se donner Béa de l'éternel comme ça. Et puis on fait des sales choses. On fait, ça dit, drôle. 6 ans, Béa de l'éternel. La dernière fois que tu faisais ton live, où ton chéri Gratanou passait dans la maison. La dernière fois que tu faisais ton live, 6 ans de frouli, 6 ans de mariage, tu trompes seulement, tu pipes seulement. Attends, le gars est calé, 6 ans. On peut faire ça. On peut être Janjou jusqu'à ce point. On peut être Janjou jusqu'à ce point. Propre nous d'en tirer Janjou, Janka. Depuis 13 ans, on est en train de baiser ton cul. Baiser ton anus. Baiser ton pétou. Femme indigne, propre nous. Deux frères, ton mougou. Va te laver au village. Va te laver au village. Sale fille. Sale chose. Saleté. Abomination. Rejeté de la nature. Rejetons de sa famille. Sale chose. Malédiction incarnée, plonge-nous sale chose. Hein? Cherche le père de tes enfants. Baiseuse internationale, baiseuse de deux frères, baiseuse familiale, baiseuse internationale de frères. 6 ans de vous êtes ensemble là-bas, des chouins réunis, des bagrèches réunis, des bordels réunis, des chunchas réunis, des bordels incarnés réunis. C'est moi qui dis ça. Des bordels réunis, des sales choses réunies. Tu n'as pas honte? Va soigner ta tante Alzheimer. Celle qui a été jetée par son mari. Hoha. Bordel de première classe. C'est ça. C'est ça qui est le vrai point. Rejeté de sa famille. Tu n'as pas honte? Ils ont dit, va te laver. Tu es la dernière. Tu ne ressembles à personne là-bas. Vilaine chose. Vilaine chose. Un sexe, tu ne fais même pas partie. Hein? Tu es un enfant même du. Tu es un enfant trompé. Ta mère a trompé. Elle avait déposé enfant à la maison. C'est ça que tu fais que tu es tonton. Là. Tu sais que chez les Akans, là, c'est dangereux, non? Tu sais que quand ton parent, ta mère fait l'infidélité. Oui. Si moi je suis infidèle, ta mère la présidente d'infidèle propre nous. Ta mère porte le brassard d'infidélité. Ta mère, le brassard, passait ta fête dehors pour venir te déposer à la maison. Ce qui a déjà ton papa. C'est ça que le vrai ton. Le son. Le son que j'attendais pour venir me déposer là. Le son que j'attendais pour venir me déposer là, c'est ça que là. Ta mère, la brassard du tien. Ta mère, la brassard du Djonjou. Ta mère, la prostituée numéro 1. Ta mère, là, hein? Toi, tu n'es pas l'enfant de ton père. Tu es un enfant adultérin. Oui. Mettez le cœur.
Tu es un enfant adultérin propre à nous. Le son est bon. Le son est bon. J'ai dit, mettez le cœur. J'ai voulu garder ce son-là. J'ai voulu garder ce son-là. J'ai voulu garder le son pour le deuxième round. Le volume est bon. Si moi, maman Francine Baye, c'est infidèle, ta mère a le brassard. Ta mère a le brassard de l'infidélité. Tu es propre à nous. Tu es un enfant d'insecte. Ta mère allait prendre enfant dehors pour venir déposer dans la maison. Au calme. Propre à nous, enfant du dehors. Enfant de l'insecte. Propre à nous. Puisqu'elle est propre à nous, en plus, elle est enfant du dehors. Sa mère a trompé son père. Et puis elle allait prendre enfant pour venir donner gratuitement au monsieur là. Il n'a pas supporté. Propre à nous, il n'a pas supporté, il a déjà. Il a déjà, au calme. Toi, tu as parlé, les gens. Famille de propre à nous. Famille de propre à nous. De génération en génération. De famille en famille. D'enfant en enfant, propre à nous. Jantra, maman Jantra, papa Jantra. Propre nous, Jantra. Je comprends. Jantra familial. Jantra familial. Va chercher ton père, propre nous. Ce monsieur-là n'est pas ton père. Arrête de t'attribuer le père des gens. Arrête de t'attribuer le père des gens, propre nous. Va chercher ton père. Va voir où ton père, où ta mère a mougou pour te faire. Va voir. De toute façon, tes deux enfants n'ont pas de père et puis tu as attribué les enfants là. Va voir, propre nous, Jantra, Janju, propre nous, familial. N'oubliez pas, hein? Elle est propre nous. Et puis elle est enfant du dehors. Merci pour les étoiles. Elle est propre nous, avio, avio, et puis elle est enfant du dehors. On peut faire ça. Ah, quoi, on s'en fout. Ah, quand c'est pour elle, on s'en fout. Oui, Gladys Kakou, c'est enfant bâtard. Enfant bâtard. Enfant du dehors. Enfant bâtard. Que sa mère a trimballé. Puis elle vient se taper. Se taper la famille. Yessi, enfant de dehors. Hé, ma chérie, tu es enfant du dehors. Par l'infidélité de ta mère. C'est ça qui fait qu'elle a Alzheimer actuellement. Là. C'est ça qui fait qu'elle a Alzheimer. Son cerveau est mélangé. Elle ne se retrouve pas là. Elle ne se retrouve pas là. Ben, c'est ça. Ton papa est en train de marcher dans sa tête. Ton papa est en train de marcher dans son cerveau. Ta mère, elle a le brassard de l'infidélité. Et puis, elle m'a passé son brassard. Elle m'a passé le brassard de l'infidélité. Ta mère, là. Ta mère qui est chez toi, là, m'a passé son brassard de l'infidélité. Et puis, on est dedans. Infidèle de mère. Une maudite. Ma chérie, tu dis les gens sont tilapia. Moi, je venais un passeport diplomatique. Tu as quel parent qui travaille là-bas pour que tu aies un passeport diplomatique? Sors! Tu as quel parent pour que tu puisses avoir un passeport diplomatique? Une nageuse internationale. Une nageuse. Une tilapia. Tu appelles tes camarades tilapia, nageuse, mytho, pas flotteuse, menteuse. C'est Emmanuel Keita que son nom est gâté. C'est Eka que son nom est gâté. Menteuse. En plus, tu mens. Et tu es maudite. Et tu es un enfant de dehors encore. Un enfant que ton père a trompé. Ta mère a trompé pour voir la maison. C'est tout ça là qui pète ta tête. J'ai dit partager la vidéo là. Partagez la vision là. C'est tout ça là qui pète ta tête. C'est ça. Toi, tu as parlé quoi? Tu penses que tes coloris de vidéos que tu fais là? Et j'ai dit, ça me va. Il t'a mougou. Ta mère fut mougou. Ta mère fut mougou. Au calme.
Aïe, c'est ça que le vrai point. Ton cousin qui est venu pédale là, que son gars pédé là, mettez les cœurs, son gars pédé là, ton cousin Bert, c'est son gars Bert qui l'envoie ici, déchiré. Dans ma famille, il y a la malédiction qui se promène là-bas. Il y a la malédiction qui se promène là-bas. Oh, nous, enfants du dehors, enfants sales. Tu vois pas que tu es toto. J'ai dit, va au village, tu vas te laver. Va au village, tu vas te laver. C'est ça qui est le vrai point. Vous mettez tête de moi, pourquoi? Aïe, quand tu fais pitié, menteuse. Ah, je suis menteuse. Ah, d'accord. Je suis menteuse. Donc, elle, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Aïe, ah, yo. Ok. Mentons tous alors. Mentons tous. Donc, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Mais moi, je suis menteuse. Vous n'avez rien vu encore. Je suis menteuse. Ah, d'accord. Je mens. Et puis, elle, ce qu'elle dit, c'est vrai. Votre maudit à matin, vos mères qu'on clôturé. Vos mères qu'on en groupe. Vos mères qu'on en jachère. Vos mères qu'on noire. Vos mères qu'on dilaté. Vos mères qu'on large. Vos mères qu'on profond. Vos mères qu'on déchiré. Vos mères qu'on cuit. Vos mères qu'on brisé. Vos mères qu'on. Voilà. Mettez-les quoi. On met qu'on disait. Propre-nous dents tirées. Mère qu'on de tes dents tirées. Mère qu'on de ton néglage là. Mère qu'on de tes yeux gaillés là. Mère qu'on de ta salissure. Mère qu'on de toutes tes générations. Mère qu'on de toi-même. Mère qu'on de ta famille. Mère qu'on de ta maison. Mère qu'on de ton tableau. Mère qu'on général. Mère qu'on de ton pétou. Mère qu'on de tes fesses. Mère qu'on de ton ténoir. Mère qu'on de ta salissure. Mère qu'on global. Mère qu'on même. Et moi, je dis ça. Mettez les cœurs. Plop, nous. Toi, tu n'as pas la vie. La madre, ta mère m'a donné le brassard. Ta mère aussi a donné le brassard à Emmanuel Keita de la prostitution. Ta mère, là, elle a donné le brassard d'Emmanuel Keita de ta prostitution. C'est ta mère qui était la présidente. Elle nous a réunis, nous tous, nous les présidentes. Elle nous a réunis, c'est ça. Je suis mariée. Je suis la présidente des bordels du monde entier. Mes enfants, venez. Ta mère nous a réunis, propre-nous. Mettez les cœurs. Ta mère nous a réunis autour du feu pour nous transmettre son travail de bordellerie, de femme infidèle du foyer. Ta mère était la présidente. Elle nous a transmis. Non, excuse-moi. Salut. Elle nous a transmis le brassard de la prostitution. Donc, ta mère, lors de notre réunion générale de chaque mois, ta mère, propre-nous, lors de la réunion, elle nous a expliqué comment on doit faire pour tromper nos maris. Donc, propre-nous, ta mère, lors de la réunion, nous a dit: mes amazones et mes guerriers, les femmes mariées, la mère de propre-nous, qui est la présidente des femmes mariées infidèles du monde entier, m'a transmis un message pour vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La mère de propre-nous infidèle qui a le brassard m'a dit de vous dire. Parce qu'actuellement, elle a Alzheimer, donc elle ne comprend plus rien. Elle ne comprend plus, elle est tonton, elle est devenue tébelle. Elle est tonton, on dit va à gauche, elle va à droite. On dit va au milieu, elle va derrière. La vieille est tonton actuellement. Mais, lors de la transmission de l'infidélité globale de la mère, partagez la vidéo là. Maman Francine, bah voilà le brassard. Ma fille, je te donne le brassard de mon infidélité.
Mais par contre, quand tu prends le brassard de l'infidélité, s'il te plaît, ma fille, n'envoie pas un enfant du dehors. Parce que quand je te donne le brassard d'infidélité, moi-même, j'ai trouvé la coupe dedans. Moi-même, on m'a donné la coupe parce que moi, j'ai pris un enfant du dehors pour déposer là. Dans la vie, quand tu fais ton métier d'infidélité, il faut savoir avoir des règles. Ça, par contre, ma fille ne fait pas ça. Moi, je l'ai fait, j'ai tué mon mari. En faisant ça, quand mon mari a appris que, nous, Avio n'était pas mon enfant, il est mort, on l'a enterré. Donc, pour des conseils de main, d'infidélité numéro 1, je te conseille, par contre, ça, ne le fais pas. Tu peux aller mourir de temps en temps, mais ne fais pas ça, ma fille. Donc, voilà le brassard que je te donne. Voilà le brassard que je te donne. Donc, plop-plop-nous un vieux d'en tirer. Celle qui a nagé, qui n'a pas de passeport diplomatique, menteuse, mytho, qui a nagé comme ses camarades, mais elle arrive à... Elle ose insulter d'autres personnes de nageuses. En tant que toi-même, tu as nagé jusqu'à les requins t'ont refusé dans l'eau. Quand ils ont vu tes dents là, ils ont pensé que c'était les camarades. Quand ils ont vu tes dents, les piranhas même ont surpris. Ils disent non, c'est nos collègues. C'est ma collègue piranha. Donc on va la laisser, elle va partir. C'est grâce à tes dents que les requins t'ont refusé en pensant que tu fais partie de leur famille de piranhas. Sinon tu as nagé. Tilapia, toi-même tu es tilapia. Tilapia. Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Comme maman, tu les aimes au berceau. Jesse à 44 là, il est au berceau. Je les aime au berceau. 44 là, c'est berceau. Yeah. Il y a un commentaire. Il y a un commentaire qu'au 44 ans. 44 ans, c'est berceau. Yo, franchement. 44 ans, berceau. Que je les aime au berceau. Yo, c'est bien. Il a dit, est-ce que le son est bon? Le son est bon? Voilà. Donc, plop-plop-nous. J'ai dit, plop-plop-nous. Chienne en chaleur. Chienne en... Vous mettez tête de mort pour... Pourquoi? Vous mettez tête de mort pourquoi? Hey, quand je dirais, je dirais, vous êtes calé pourquoi? Vous avez gourmet pourquoi? Vous avez gourmet pourquoi? J'ai dit, vous n'avez rien. Vos coalitions là, ils mettent ça dans vos culs. Vos coalitions là, ils fous ça dans vos bodas, vous, une à une. C'est-à-dire, vos coalitions là, ils fous ça dans vos anus là-bas, une à une, comme ça, ils fous ça. Et puis, ils scotchent, pour ne pas que ça sorte. Maintenant, dans la coalition, bon, Gayako, peut-être, elle a donné sida à Bob, lui, il a déjà. Ça, c'est pas un problème. Elle-même, elle transporte ça. C'est-à-dire que si elle est malade, elle distribue ça. Elle, c'est une CDN. Elle-même, elle dit rien de bon. La coalition, il y a qui encore? J'ai déjà dit pour Chilo sans valeur, non? Sans valeur. Celle qu'on attend, les gémissements. Chilo sans valeur. J'ai déjà dit ça. Donc, que la coach Kavia n'arrive pas à éduquer. C'est-à-dire que là, on va dire, l'élève numéro 1 de la coach Kavia number one sur le méta. Elle est venue déposer le visage de sa coach Kavia pour la leçon que la coach Kavia lui a procurée en inbox par tout ce qu'elle doit faire. La coach Kavia dit d'avoir les hommes fructueux, les hommes qui a l'air, qui a dit. Mais ce qu'on voit sur la toile, Chilo sans valeur, la mougousseuse gémisseuse du méta,
celle qui gémit à longueur de journée, celle qui la mougousse pipeuse, qui pipe, qui se déplace pour aller préparer loup placali chez garçon en espoir d'avoir un foyer, cette pipeuse qui fait des pipes à n'en point finir, qui cherche Marie la mougou depuis 6 ans, dépose, prend quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ton pétou, d'après toi, qui est serré, qui est doux là, et puis on n'arrive pas à te soulever pour te déposer à la maison, tu viens taper ta poitrine. Mon pétou est serré, mon pétou est serré. Il faut dire à ta femme qui est là-bas, là, que tu dis que mon pétou est doux, mon pétou est serré. Pétou qui est doux, qui est serré là. On ne peut pas soulever ça pour mettre en mariage. Et puis on mougou depuis 6 ans, on te dépose, on va chercher une autre. C'est quel genre de pétou serré qui est doux, mais qui n'arrive pas à tenir un homme parce que tu n'es pas seul. Tu as aussi ton homme. Donc tu te caches pour mourir. Tu te caches pour mougou. La sans-valeur. La sans-valeur. Mais quand tu as fini de mougou comme ça, là, après tu as mougou, lui qui est là-bas, là, le zigo bolo, là. Ben, tu as commencé. Tu as commencé pour le moment, il reste un peu, tu as te déplacer. Mais pour le moment, c'est en télétravail. Vous mougoussez en télétravail. Toi, ton nouveau mougousseur de l'émission, vous mougoussez en télétravail. Père, sur ton travail, tu as une djangjou numéro 1. Tu te fais mougou partout. Le jour qu'il va te croiser, tu ouvres déjà le baya. Le jour que ce monsieur-là va te voir, ouverture. Tu n'as pas honte. Comment tu peux mougou avec quelqu'un et puis tu vois leur copine et puis tu souris. Ça veut dire que je vous allume une à une dans votre coalition là. Je vous allume en global. Il n'y a rien. Je vous allume en global. Une à une. Je prends une, j'allume. Je prends une, j'allume. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça. C'est ça qui est le vrai point. Il a dit, le gratin là, il ne te satisfait pas. Le gratin qui est sur toi là, son kiki est comment? Il y a 6 femmes mariées, il y a 6 femmes mariées, mais tu te lèves lourdement, et tout ton être, et tout ton genre, pour aller t'asseoir là-bas. Pour aller gémir. On peut gémir comme ça. On peut se faire mougou comme ça. Oh non, c'est un mougou pan. C'est un mougou pan. Toi, pendant 6 ans, on te fait mougou pan. Pendant 6 ans, on te fait mougou pan. Maman, tu n'as pas de valeur. Tu es sans valeur. Mougou pandos. Un mougou en drogage. On peut être drogué comme ça, puis on fait les loups placali. Djandjou de première classe. En tout cas, je ne peux pas mentir. J'ai ju. Par contre, ça là seulement, il m'a pas dit qu'il a couché avec elle. Hein. Il n'a pas dit qu'il a couché avec elle. Est-ce que tu as cœur de venir t'asseoir pour dire qu'il a couché? Père, toi-même, quand tu me regardes, depuis tu te regardes là, tu penses que je me fais mougou partout le monde? Quand tu me regardes, depuis tu te regardes là, tu penses que je me fais mougou par n'importe qui? Je m'en mets bon, ça là seulement. Merci de la partie là. Merci quand même de la partie là. Je n'ai pas pouvoir mentir encore. Dites merci à la pipeuse. Dites merci à la djandjou. Dites merci de cette partie là. Qu'elle dit, ah, par contre ça, je lève ma main. Je ne peux pas venir mentir. Oh. Ça seulement, toi ton assaut. Lui qui est ton assaut. Que vous mougoussez tous les jours. Vous pipissez tous les jours. Il te badou. Ça là, il n'a pas. Ça là, c'était plus fort dans sa bouche. Façon, tu étais en train de le mougou là. Il devait t'inspirer pour te dire, oh, la madre, oh, il a fini ça. Parce que tu étais en train de le mougou. Il pouvait casser le papo quand même. Ton pétou n'a pas pu faire casser le papo à Jesse. C'est que tu es un faux pétou. Tu es un pétou moisi. Tu es un pétou qui n'a pas de valeur. Parce que normalement, dans le vrai pétou, il devait casser ce papo là. Parce que tu es en train de lui mettre dans le bon, dans le vrai bon, dans la joie. Il y a des mettez le cœur, les conneries comme ça là, des sales choses comme ça, elle peut. Elle, regardez, elle me peut. Dites merci à la pipeuse, Chilo. Dites merci à la pipeuse.
Merci, dites merci. Hey, elle a venu blanchir votre madre. Elle a blanchi votre madre. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu la partie là? Hey! Oh, oh, oh. Elle a mis ses deux mains comme ça. Je ne peux pas mentir. C'est là seulement là. Il m'a jamais dit que il a mougou. Même Gayakou Tétier. Même Gayakou Tétier Brique 20 qui a beaucoup de caca dans sa tête là. Dites merci la pipeuse. Merci. Dites merci la pipeuse Chilo. Dites merci. Par contre, ça, il faut la remercier quand même. Remercier ça. Aïe. Dites merci. Même Gayakou Tétier même. Vous vous rappelez de ça, là? De cette vidéo là, non, vous vous rappelez de ça? Voilà, même Gayakou Tétier, mettez le cœur propre à nous, propre à nous. Il a dit quand tu es arrivé sur coach, coach elle est qui? C'est une Janjou. Coach elle est qui? C'est le bordel. Coach elle est qui? On la baise partout. Puis ça tu dis que moi on me baise. Elle est qui? Son corps est comment? Son corps est protégé par rapport au corps des autres. Hey, on la baise, hein? Elle est baisée même. Mal. Toi tu parles de qui? Que tu arrives sur toi. Mais ta coach est Janjou. Elle est bordel. Number one. Ou bien tu veux couvrir ça aussi? Tu veux couvrir ça? Tu parles de quoi? Tu sais pas qu'elle est bordel? Tu sais pas qu'on la mougou? Tu sais pas qu'elle est une Janjou? Tu ne sais pas ça? Comment tu es tombé sur ta côte? La côte, elle est qui? C'est un bordel. On la mougou même. Elle est même le président de bordel, de mougouli même. Elle a fini ça. Elle est voyage pour aller se faire mougou. Toi, tu parles de qui? Toi, tu parles de qui? Tellement la mougou qu'elle n'est pas complète là. Elle allait se refaire de partout. Elle s'est refaite de partout pour faire son bon boulot de bordelia. Pour faire le bon boulot de bordelia. Arranger seins, arranger vente, arranger fête pour pouvoir maintenant bien livrer maintenant la marchandise dans le monde entier. Pour se déplacer, pour aller se faire mougou de gauche à droite. Tu parles de qui? Quel nom tu es arrivé sur ta côte? Ta côte elle est qui? Ta côte elle est quoi? La côte elle est mieux que qui? Une salope de première classe? Une Janjou Pro Max? Une bordel numéro 1? Une Janjou, une Jankal? Une Sao Tao? Une Galèche? Ta côte elle est qui? Et puis on parle pas. Quand tu es arrivé sur ma côte, tu pensais elle, elle est trop effrayante quoi. Une bordel comme ça? Une femme est mariée. Tu es mariée, tu t'en fais BBL pourquoi? Tu t'en fais BBL pourquoi? Ton mari te préfère pas comme ça? Ton mari te préfère pas comme ça? Mon homme me préfère comme ça où je suis là. Il me préfère, il n'a pas besoin que j'arrange quoi que ce soit pour aller montrer à un autre gars. Et ça qui est le vrai point. Mais toi, ta coach là, elle a besoin de se refaire le corps. Et puis en plus qu'elle se refait le corps là, elle est penchée d'un côté. Ils n'ont pas bien dressé sa colonne vertébrale là. Elle n'a qu'à aller faire bébé de colonne vertébrale. Elle est calée, ils vont la redresser. Mais jusqu'à présent, elle marche penchée. Elle est cassée comme ça. Chilo, la sans valeur. Il dit, ta coach, elle est bordée, Sao. On la mougou, internet. Même GM Talk, la mougou. Et moi, je te dis ça. GM Talk, la mougou au Burkina. C'est lui qui a organisé ça. Mettez le cœur. GM Talk, GM Talk, la mougou au Burkina. C'est moi, je dis ça.
Vous parlez de qui? Une bordel ambulante comme ça? Une bordel comme ça, que Dieu nous déclasse. Une bordel ambulante comme ça, toi tu as venu t'attaquer, que tu t'attaques à la côte. La côte, elle est qui? Elle est salope comme toi? Elle est salope comme toi, elle est Djondjou. Donc Emmanuel Keita que tu attaques là. Emmanuel Keita que toi tu attaques là. Emmanuel Keita n'a pas de valeur. Emmanuel Keita n'a pas de valeur. Il y a des JM Talk à Wougou. Ta coach là, au Burkina, au Cannes, au show. Elle a fait la mise dedans. Au show, au show, au show. Il l'a mis dedans. C'est ça qui est le vrai point. Aïe. Que Dieu que Dieu je vous fais un que Dieu je vous fais un que Dieu que non, que c'est rentré ici là. Même l'émission. L'émission qui est là-bas, qui était en Côte d'Ivoire, là, ils ont mougou lui. C'est pour ça qu'on prend champagne pour verser. Tu m'as vu, moi, une femme? Regarde-moi bien. Qui va oser prendre champagne pour me dégouliner sur moi? Si c'est pas une prostituée, une putain, non? Ta coach est pute. C'est pour ça qu'on prend champagne, on verse sur elle comme ça. Pou. En tant qu'une femme mariée, tu m'as bien regardé dans vos sales choses, là. Tu m'as bien regardé dans vos sales choses, là. Ta coche là, on la mougou, c'est une prostituée. C'est pour ça qu'on prend le champagne pour verser sur elle comme ça. Une calèche, une djandjou. Hein, c'est comme ça qu'on verse champagne sur elle. Et puis elle dégage sa bève là. Parce que, voilà, elle a l'impression qu'on a été la piper. Elle a l'impression qu'on a été le jus dans sa bouche. Elle a l'impression qu'on doit le jus dans sa bouche. Elle ouvre sa bouche. On met champagne, on verse champagne, on a jouissance. Elle s'est amusée, ils ont mis dedans. Au chaud. Même garde quoi a mis dedans. Ta garde quoi a boué ça. Tu as parlé de qui? Ta coche. Le même garde quoi là, il a boué ta coche. C'est pas du jeu. Mettez le cœur. C'est mon garde corps. C'est mon garde corps. C'est mon gars de corps. Et puis on finit, on mougou ça au calme. Là, tu as venu parler. Toi, tu as venu parler. Que tu es arrivé sur ma côte. On va arriver sur ta côte, puis tu as fait quoi? On va arriver sur ma côte. Toi, tu me demandes, j'étais là-bas. Aïe, mais vous étiez aussi là-bas. Yo. Vous étiez aussi là-bas. Que j'étais là-bas. Ah, il dit, quand j'étais là-bas, plop-plop-nous d'en tirer. Plop-plop-nous d'en tirer. Il y a un qui dit tu attends coach ou bien. Mais pourquoi plop-plop-nous la tag là-bas? Pourquoi plop-plop-nous dit que tu es arrivé sur ma coach? C'est ça, j'ai fait ça propre. C'est qu'elle va me faire. Plop-plop-nous. Si la madre mougou, plop-plop-nous. Ta coach mougou 10 000 fois. Ta coach mougou 10 000 fois. Ta coach c'est une mytho, c'est une menteuse. Elle est venue s'asseoir ici. Je suis mariée. Aucun mariage. Aller fabriquer une photo, déposer dans son salon, mettre une bague pour faire genre je suis marié. C'est ici là. Je vais me remarier. On dit renouvellement de noces. On n'appelle pas ça je vais me remarier. On appelle ça renouvellement de noces. Mais comme elle avait honte, je vais me remarier. Ma chérie, on t'a jamais marié. C'est maintenant la mi bague. C'est maintenant on a foutu la bague menteuse des paflotteuses regroupées sur le méta des mythos. C'est moi, vous voulez vous jouer? C'est moi, vous voulez me salir? Je vais prendre vos comptes à mettre dans ça. Ça, déposer les papos, j'ai les papos. Oui, hein, t'es ici. Vous, je vous laisse. Et puis, je chicote. Au calme, quand c'est ma corde, tu veux venir à taper. Elle est qui? Elle est sale. Moi, je dis ça. C'est la plus sale, la plus bordée des femmes mariées qui existe. La plus bordée des femmes mariées, c'est elle qui existe. C'est ta coach. Oui. Parler de quoi?
que Jesse Dieu est amour. Si Jesse Dieu est amour, là, la coach là, son gardien là, Mougou. La coach là, votre coach qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas chose là, qui est votre coach, comment on l'appelle, Yougos là, votre coach Yougos là, gardien la Mougou. Garde quoi la Mougou. Ça dit, elle, on donne la Mougou d'abord pour lui donner quelque chose. C'est ça qui est le vrai bon. On donne la Mougou d'abord. Au chaud. Aïe. Elle est la Mougousseuse internationale. Aïe. C'est la Mougousseuse internationale. Un Mougou, le gars de corps, au calme. Après l'émission, le Mougouli de ça. Le Courbet debout de ça. Avec rien penché. Comment il pense, ça, il casse ça comme ça. Il a une position d'une manière là. Pour éviter que ça fasse mal. Il casse ça parce qu'elle a déjà penché. Oh. Elle a déjà penché. Il Mougou ça. Tu parles de quoi? Tu parles de ma quoi? Il y a moi cette sale chose là. Il y a au moins cette sale chose-là. Que non, tu clashes ma coach. Tu avais déposé la coach. Tu mets la coach, je l'allume. Au calme, au chaud. C'est une Mougousseuse internationale. Ça, tu es au courant de ça, quoi. Aïe. Quelqu'un qui met son côté à pencher. On est obligé de casser ça d'une manière pour la prendre de côté. Ça, c'est une gote de côté. Ta coach, là, c'est une gote de côté. On la casse de côté pour pouvoir la mougouper. Celle-là qu'on n'est pas le bon debout qu'il a. Elle, c'est de côté. Parce qu'elle n'a pas d'eau pour ça. C'est ça qui est le vrai point. Chez le bordel. Ta coach, bordel. Vous êtes des familles de bordel. On vous mougoue des gémissements. Au chaud. Non, le numéro, laissez-moi en faire mon show. Aïe, parlez de quoi? Tu m'allumes, c'est la coach, je prends, il allume. Edwige propre nous, dents tirées, il l'allume. Et puis il dépose ses papos au calme. Donc, voilà quel genou de sorcière rombière. C'est ça. Quel genou de sorcière rompier, il a fait ça en zouzou. Wow, wow. C'est ça. Donc, propre nous. Il y a un qui dit, quand tu es mieux que moi, dans Mougouli là. Sur le métal ici là. Mieux en quoi? Mieux en quoi? C'est qu'il se fait Mougou par son patron du travail. C'est que son patron fait champagne sur elle comme ça, qui dégouline. On dirait un Djandjou de première classe. Elle est mieux que qui? Tu m'as vu, on a versé champagne sur moi. Une bordel qui vient vous montrer devant Facebook quel est bordel, quel est Djandjou, quel est Tchouchas. Elle montre même femme mariée, elle est déjà son mari, elle a vu en veste d'après elle. Je suis trop mariée. Elle a versé champagne comme ça, si ça bouge pas, elle ouvre Gaïa, bouge comme ça. Ça va, vous avez une parole. Yeah. On dit viens parler, il dit donc tu t'attaches à ma coach. Ta coach elle est qui? On la mougou. On prend son derrière. Elle gémit aussi, comme sa camarade. Chilo, sans valeur. C'est la gémisseuse internationale. Majola, c'est la gémisseuse internationale de Djandjou, de première classe. Une pipeuse qui pipe. Depuis où elle est là? Elle voit Bangala partout. N'importe quoi. J'ai dit, mes Amazones et mes guerriers, on va partager tout à l'heure. Je vais faire ma série de la boniche. Je tiens d'en tirer tout à l'heure. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de partager massivement
ce live là, oui, parce que c'est ça qui est ça. Dans les têtes de mort, vous les foutez où je sais. Les têtes de mort, tous ceux qui sont en retard, reprenez la vidéo là, vous allez regarder ça au câble, c'est intéressant. Tu es vilaine, madame, ce n'est pas grave. Je suis vilaine, oh, ce n'est pas grave. Mais ta coach là, elle n'est pas plus belle que moi. C'est ça qui est le vrai point. Je suis sans chirurgie aucune. Je suis sans chirurgie aucune. C'est ça qui est le vrai point. Parce que j'ai la confiance en moi. Tu sais ce qu'on appelle la confiance en soi. Si elle est femme, elle n'a qu'à s'arrêter. Il est venu m'arrêter, puis nous deux, on s'est arrêté, Fafa. Ce n'est pas du jeu, je ne discute pas avec ça. Je ne discute pas avec ça, avec elle. Elle a arrêté, je suis arrêté. Ce n'est pas on dit. Parler de quoi? Une sale chose comme ça. La madre n'a pas dit non ici. Hein. Ah, mon cher. J'ai dit coach. Bordel. J'ai dit coach bordel. Que la madre n'a pas dit non ici. Hein. Pipeuse. Bordel. Attrapé K.O. Mette. Bah, mis dedans. Au chaud. Tu t'amuses au mets dedans. Au chaud. Au chaud. Au chaud. Mets dedans. Au chaud. Au chaud. Tu t'amuses au mets dedans. Au chaud. Ocho, ocho, mets dedans. On vous met dedans. Comme madre a dit coach, elle a pas dit nom de quelqu'un. Ah, celui qui s'est mauvais, c'est mouche. Celui qui s'est mauvais, c'est mouche. Hein? J'ai dit la coach, c'est un bordel, c'est un janjou, un jankan. Il a terrassé la coalition. La coalition, c'est petit. Envoyez Grumier. La coalition, vous êtes petite. Attends. Bon, j'ai fini. Je m'en vais au Gabon. Dans la coalition, il y a des Gabonais. On doit chercher. Je n'avais pas pris mon avion pour atterrir au Gabon. Donc, je vais atterrir au Gabon. La coalition, il y a des Gabonais. Ah, elle pensait que je les avais oubliés. Oh, non. La Gabonaise psychologue, visage de masque. Bonjour depuis ta position. Celle même qui roule les A avec les R avec beaucoup de fautes dans son langage. Maman la Gabonaise, la psychologue, dent aussi de facochère dans la bouche aussi. Voilà, dent aussi. Mais j'ai dit, vous tous dans votre coalition, pourquoi vous êtes vilaine comme ça? Il n'y a pas de beauté chez vous là-bas. Vous êtes laide, hein? On vous a regroupé ensemble dans la laideur. Vous êtes aussi d'une laideur caractéristique, d'une laideur qui n'en dit pas son nom. La psychologue de Bacatier, l'intellon bracata du méta, l'intellon à deux balles, celle qui pense qu'elle peut maîtriser le cerveau d'autrui. Mais c'est elle-même son cerveau qu'elle a maîtrisé. C'est ça qui est le vrai point. Il y a dit, c'est ce groupage même. C'est un groupage même de ça. Elle pensait intimider les gens. Je suis psychologue. Je vais travailler sur le cerveau de la Ekalanda pour pouvoir détruire le groupe de la Ekalanda pour m'acquérir. Donc je vais manigancer un certain nombre de choses, de plans machiavéliques à l'encontre de la Ekalan pour que cette coalition puisse être dissoute à l'instant T par mon intelligence en bracata de caniveau, par mon intelligence à deux balles, va foutre ça derrière. Quand elle s'est rendue compte que l'école de psychologie l'a trompée parce qu'elle ne comprend rien, elle s'est rendue compte qu'elle s'est retrouvée dos au mur devant une coalition de Ekalan bien soudés qui ont compris dans son jeu, qui ont compris que c'était une sorcière marmailleuse. Ils l'ont jeté là-bas, ne comprenaient rien. Quand j'ai fabriqué mon parfum, on est qu'on est qu'à se soutenir vivant, on ne se soutient pas. Voleuse de groupe.
voleuse. Toi, tu écris quoi? Maman, s'il te plaît, respecte les autres. Vous êtes toutes belles. D'affaire qu'elle a là, on doit respecter. Attendez, d'affaire où on est là, je dois respecter d'autres qu'elles sont belles, quoi. Elles sont moches. Elles sont toutes moches, regroupées dans le même caniveau. Je vous ai dit, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Toute leur beauté réunie égale à zéro beauté. C'est ce que j'ai dit. Elles sont moches. Elles sont vilaines. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Oui. Ocho, 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 mère là. Il a dit, propre à nous, c'est moi qui fais le son. Quand il met bim, tu sors, tu mets caméra. Il met bim, tu sors, tu mets caméra. C'est moi qui fais le son. C'est moi qui te fais sortir dans ton trou de rat de goût. C'est moi qui te fais sortir dans ton trou de rat de goût. Et puis tu sors, tu transpires comme ça. C'est moi la madre Francine, c'est moi qui fais le son. Tu ne peux pas, tu es petit dans la danse, propre à nous. Avio, vio, 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 avio, avio, vio, 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 avio. T'as fini de ramasser les trucs dans la brocante, t'allais remplir dans ta maison. Il y a dit ta déco qui est là-bas, c'est la déco de 1900, tu vois. Tu étais au 1900, l'époque. L'époque. Attends, je reviens, je dis c'est que Dieu nous. Que Dieu nous même de trucs. Je reviens à la psychologue née. Visage coupé, hein. Je reviens là-bas. Je reviens là-bas. J'ai dit, oh, avio, décoration, tu as fait lourd, décoration, tu as déposé là. C'est dans les années de lui 16 ou bien lui 15 là-bas. Tes affaires de brocante, tu allais ramasser au deuxième main là. Ben, ces trucs là, je sais pas, hein. C'est dans les brocantes qu'on trouve ça. La décoration que tu as déposée chez toi là-bas, là. C'est pas nouveauté ça, hein. Ça, c'est déco de brocante, brocante d'Aubervilliers là. Ou bien brocante de Porte de la Chapelle. Il y a Gaïa brocante d'abord dans le temps quand il est arrivé au départ là. Gaïa brocante de je ne sais même pas si c'est vers Porte d'Aubervilliers, les anciens meubles de 1900 Choué, que tu allais ramasser pour déposer dans la maison que tu loues à deux balles là. Il a dit, oh, c'est quelle décoration ça? C'est quel genre de décoration? Parce que tu as trop décoré ça comme ça, quoi. Avio, plop-plop-nous. Tu as décoré ça comme ça. On peut décorer couloir comme ça. Pourquoi ton couloir, tu as serré? Tu as des enfants? Tu as fait trop Jean-Jean, tu as montré que tu as payé. C'est surchargé même. Avio, vieux, vieux, vieux. Vieux, vieux. C'est un brocante de Versailles. Hein? C'est nous qui payons sa maison. Ah, c'est vous qui payez sa maison. Ah, c'est les followers là qui payent la maison. Ah, Avio. C'est brocante, décoration de brocante là que tu as déposé. Mais vous-même, quand vous regardez chez Avio là. Quand vous regardez chez Avio, elle a déposé lit de lui 16, lui 14. Emmaüs. C'est la décoration de Emmaüs. Yeah! Yika ne se sent pas. Là, elle va sortir. Elle va dire que. Là, elle va sortir pour dire que. Ah, regardez. Faut me montrer pour toi. Faut me montrer pour toi. Yeah! Décoration de ça. Yo! Ou bien c'est Gayakuta qui t'a montré le secret où on va payer les décorations à Kaïk là. Ah, je comprends. Ta mère, Gayakuta. Ah, je comprends. Tu es dans la préhistoire. Ah, je comprends. Mais je comprends mieux la décoration. Je comprends mieux ta décoration. Gayakuta t'a dit quoi? Que c'est ça qui est joli, quoi. Yeah! Maman. Yo. Quand tu es pauvre même, vraiment, le pauvre, on peut faire ça? Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Je me suis rappelé de Proplano Avio. Vous savez que c'était... Emmaüs, c'est ce coup populaire. Autant de Simon Templa. Autant de Simon Templa. Je parle de Simon Templa. Yeah! On peut faire ça. Yo, avio. Décoration dans HLM de Paris. Je vous jure. Décoration d'HM de Paris, c'est-à-dire,
Ça dit, on peut décorer. On peut décorer maison de H&M comme ça. Yeah, on peut décorer maison de H&M comme ça. Décoration, ma chérie, pardon. Va payer même pour toi, puis tu as décoré. On peut faire ça. Yeah, Adama. Bon, Avio, Avio, HLM, Avio, Taf, Avio, Quémandeuse, Avio, Avio, comment on appelle, chose, comment on appelle ça, Avio qui est inscrit à Secours Populaire pour aller prendre nourriture pour, se, pour nourrir ses enfants. Avio va travailler. Avio va travailler parce que 2 mois de travail que tu as fait en France ici là, en tant que ménage là, c'est pas beaucoup. Va travailler Avio. Tu es trop paresseuse. Oh, les enfants là vont grandir. Ou bien tu as accouché encore? Tu as accouché encore? Tu as déposé encore 7 enfants là. Ah, tu n'as pas encore 40 ans, tu as 7. Tu as fait quoi? 15. Avio. Les temps sont durs, hein. Plop-plop-nous. Plop-plop-nous, Avio. Les temps sont durs, hein. Ou bien tu comptes sur Resto de cœur. Tu comptes sur Resto. Tu comptes sur, comment on appelle, les PayPal de tes gens là. Avio, les temps sont durs, oh. 7 enfants là, c'est beaucoup, hein. Tu as rajouté encore 15 à ton petit corps de drogué là. Ton petit corps de siffleuse là. Ton petit corps de poupounapou là. Pardon, oh. Pardon, hein. Avio, plop plop nous, hey, mettez la queue, plop plop nous, t'es mauvais, la go plop plop, la go, Blanc, langue de bœuf, dentiré, nécrochu, gros yeux, vilaine chose, maudite fille, mon gousseuse de deux frères, plop, nous. Bon, c'était la musique de plop, nous. Je retourne en psychologie. Je retourne en psychologie, mettez le cœur. En psychologie, la psychologue Mbrakata, visage coupé. Ma chérie, j'ai dit, tu peux rien créer. Tu ne peux rien créer dans ce pays-ci. Maman qui est, et qui est. J'ai dit, je te demande, chez toi au Gabon là-bas, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de choses que tu peux nous proposer, la psychologue Mbrakata, la psychologue en bas de chaussures, la psychologue à 2 balles. Il n'y a pas de choses que tu peux nous proposer. À part que des on ne sait même pas quand tu t'assois, tu as la nausée quand tu l'écoutes. Moi, j'ai dit que... Tu ne sais pas, elle va où, elle va ici, elle va quoi. La psychologue, j'ai dit, tu étais la sorcière de la Ikalan. C'était toi qui avais le programme de caricature. Est-ce que quand tu dors là, tu dors à l'aise? Est-ce que quand tu fermes les yeux la nuit, tu arrives à dormir? Je ne pense pas. Parce que le mauvais rôle, quand tu étais dans la Ekaland, la bonne Ekaland, la Ekaland, la vraie Ekaland, parce que toi, tu étais une infiltrée dedans. Tu étais une infiltrée dedans. Tu pensais gagner la Ekaland vers ta guise. Ils t'ont fait vendre, ils t'ont chuté ton Bouddha. Tu as senti ça dans ton anus, tellement qu'ils t'ont chuté dehors. C'est rentré dans ton Bouddha. La psychologue Mbrakata. La psychologue Mbrakata. On dit quoi? Tu dors où? Chez tes camarades. Tu n'as pas chez toi. Tu n'as pas un chez toi. Donc toi aussi, tu viens aussi pour parler de ces manèques et ça. Ça dit que quand on vous regarde, les pauvres lots de la toile,
Ça dit que les refoulés de première classe, vous êtes regroupés ensemble pour la coalition de quoi, des sorcières. Vous pouvez sur qui? Vous pouvez atteindre qui? Votre sorcellerie peut atteindre qui? Quand vous vous regardez là, vous pouvez nous atteindre. On va vous combattre jusqu'à vos os. On va vous combattre jusqu'à votre moelle épinière. Il y a des autres qui sont dans la coalition. Eux, c'est multiplié par zéro. Et ils n'en valent même pas la peine que je prononce les noms. Les autres qui sont dans la coalition, là, c'est multiplié par zéro. Ils n'en valent pas la peine pour que je puisse dire leur nom. Mais tu as voulu détruire, par exemple. Tu as voulu détruire, par exemple, la Ekalande. Mais tu as échoué. Ils t'ont fait ça dur. C'est rentré brûlé. C'est rentré brûlé. Ma chérie, on s'en fout de toi. La Ekalande t'a loupé. Ils t'ont gore, ils t'ont chien. Ils t'ont fait ça à l'envers, ils t'ont fait ça dur. Parce que c'est toi auparavant. Tu faisais ce boulot-là. Quand tu étais en train d'emmerder les autres. Et puis, attends, avant d'arriver chez la psychologue, je retourne chez la pipeuse internationale. La pipeuse internationale, tu as dit non que. Jessie t'a dit non que je signale les pages. Tu mets ma photo sur ta page, je signale ma photo au calme. Ça même, ce n'est même pas un jeu. Je vais signaler ma photo et quand Facebook va sauter ça. Aïe. Entre les blogueurs là qui ne signalent pas leur photo. Quand Jesse dit qu'on a, on a fait chaud, on signale. Mais c'est vous les signaleurs. Actuellement, ma grande page là, elle est signalée. Non, c'est moi, mais j'ai signalé ma page. C'est moi-même, j'ai signalé ma page. Actuellement, là, je ne peux rien faire sur ma page. Aïe, vous signalez, on signale. Tu me signales, je te signale. Où est le problème? On va se signaler pire. Aïe, vous parlez de quoi? Que Jessie m'a dit non, qu'on signale. On a laissé. C'est tout. Mais cette partie-là, par contre, tu n'as pas pu enregistrer. Mais c'est dommage. Hein? Tu n'as pas pu enregistrer ça. Ou bien la partie où tu dis chérie et que je l'appelle, je dis chérie. Ça là aussi, tu n'as pas. Tu as oublié d'enregistrer. Ou bien ton enregistrement, là, ça a commencé au milieu. Tu sais, quand tu veux mentir, j'ai dit actuellement, tu es la ploseuse, la mougousseuse. C'est toi qui es là. C'est ton histoire qui est là. Tu veux m'envoyer dedans pour que je te soutienne. Voilà, pour qu'on soit nous deux. Il n'y a pas de problème, je suis là. Mais les gémissements de haut calibre, les gémissements de haut mougouli, c'est mes gémissements. C'est moi qui gémis. C'est moi qui fais les loups placali. C'est moi la droguée. C'est moi, je suis venu sur la toile pour dire que non. Hé, hey, c'est un mougoupin. J'étais au restaurant avec lui. Et puis un coup, j'ai bu. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit, mais c'est quoi? Ça finit. Le temps, j'ai me rendu compte que je suis rentré à la maison. Je me suis rendu compte que on dirait quelque chose s'est passé. Mais ah, on dirait que le jeune là, il m'a. Attends, on dirait qu'il m'a drogué. Hein. Et on dirait que ça. Et c'est pas possible. Ah, il y a un truc qui ne va pas. Et venu mentir. Attends, ça fait 6 ans que tu fais un mougoupin. Ça fait 6 ans que tu bois. Ça fait 6 ans que tu bois. Aïe. Ah, maman. Ton paflotage aussi est dosé, hein. Oh. Ton paflotage aussi est dosé, hein. Malgré ça, là, tellement la honte est versée, tu ne peux plus nier. Oui, j'ai fait. Mais j'ai fait. J'assume. Et quand c'est dépassé, là, j'assume. Ah, elle, au moins, elle assume. Elle, au moins, elle assume. Mais elle assume parce qu'on l'a mougou. Elle peut ne pas assumer le mougouli. C'est gassé, c'est grisio. Hey! Quelque chose qui est grisio, quoi. Tu peux venir discuter. Mais elle est un peu que venir assumer. Oui, mais il est fait. Puis c'est quoi? C'est mon patou. Je donne à qui je veux. On appelle ça oh honte. Oh honte. Ils t'ont boué. Donc tu n'as pas le choix. Tu peux que assumer. Hey. Mais nous, on ne nous l'a pas boué. Pourquoi on va venir assumer? C'est le vrai point. On n'a pas boué. Pourquoi moi, je n'ai pas boué? Puis on me dit, j'ai boué. Puis on me dit que lui, j'ai boué. Pourquoi? Déposer, montrer les choses, puis je viens et dis, ah, mes églises, hein, c'est versé sur moi. D'après propre nous d'en tirer. Hey, c'est ce qu'elle avait dit avant. Oh. Et puis aujourd'hui, c'est sorti. Propre nous, je te mets au défi. Faut pas même la mort va venir nous prendre.
Faut pas la mort même va venir nous prendre. On n'a qu'à avoir longue vie. Longue vie et la santé. Ça fait combien de fois je jette Jesse? Ça fait combien de fois je bloque Jesse? Ça fait combien de fois je sors sur Facebook pour lui dire son nignon? Ça fait combien de fois? Et puis il n'est pas encore cassé. Il n'y en a pas. Il était mort au défi, propre nous. Il te regarde droit de nos yeux, puis il était mort au défi. Il était mort au défi. Ce n'est pas du jeu. Il n'y en a pas. N'importe quoi. On est sur le méta, non? On est sur le méta, non? Ah! La madre, quoi? La femme lourdement mariée. La madre, quoi? Il y a mes déshabillés, mes déshabillés devant qui? Il y a mes déshabillés devant qui? Ah! Vous aussi. Un minimum de respect, quand même. Un minimum de respect. Il y a mes déshabillés devant qui? Propre nous. Tu as lancé un défi. Tu dis, on est sur le méta. Mes Amazones et mes guerriers. Retenez, on est sur le méta. Hein. Faut pas la mort va venir nous attraper. Faut pas la mort va nous attraper. Façon l'autre, on la va attraper au début. Elle est venue dire que non, non. Il y a même ma mère à couper. Il y a dit, mais si quelqu'un vous dit, vous dites, oui, mettez vos mères à couper. La madre dit, on peut mettre notre mère à couper. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Il y a quatre gosses. Quatre enfants qui me coûtent cher. Quatre enfants que j'ai mis au monde. Mes princes, mes princesses. Sur la tête de mes quatre enfants. Sur la tête de mes quatre enfants. Propre nous. Jesse Dieu qui est là. Il ne peut même pas ouvrir dans sa bouche. Même dans la plaisanterie qu'il fait. Pour dire que lui et moi. Il a vu même couleur de maman. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si les garçons là, il prend le péché au chaud et puis longue vie va pas avoir. Mensonge comme ça là, il n'a pas cœur de faire sortir ça. Mensonge comme ça là, il n'a pas cœur, même s'il veut se donner un genre. Même s'il veut se donner un genre pour se donner, tu sais, le donjon, un genre sur la tête de mes enfants, mes princes. Vous avez vu la photo de mes enfants? Jamais sur le méta. Parce que c'est mon poumon. Mes enfants là, ce sont mes êtres. Tu as touché mes enfants là. C'est que moi-même, tu m'as touché. C'est pour ça que je ne mets même pas une photo de mes enfants sur le méta. Parce que protection est protection. Le Dieu qui est en haut là, qui nous regarde nous tous. Il a dit, moi, maman Francine, bah, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas me salir. Parce que mon mariage, c'est mon mariage. Jusqu'à l'ascaras. Jusqu'à l'ascaras. J'ai fait mes zouzouvovo. J'ai fait mes chibi. Vous me voyez comme ça sur le métier. J'ai fait mes chibi. Mais j'ai mes limites à toutes choses. Propre nous. Toi, tu n'as pas de limite à toutes choses. Toi, tu baises tout le monde. Mais moi, j'ai mes limites à toutes choses. J'ai mes limites à toutes choses. J'ai dit hier, j'allais prendre de l'eau. J'ai dit hier, j'allais prendre l'eau avec la Bible. Il y a des parties de la Bible là-bas. Et puis aller au cimetière. On m'a dit non, la madre ne fait pas ça. Et puis j'allais filmer. Et puis dire à Dieu qui est là-haut là. Mais voici, je me présente en toi. Comme ça. Au cimetière, c'est là-bas. Et puis, il me présente à toi, Seigneur. C'est qui sont en train de dire là. Les autres n'ont pas vu. Mais toi, tu as vu. Toi, Seigneur, tu as vu. Parce que tu vois dans tout. Même dans l'obscurité, dans le noir, Seigneur, tu vois. On m'a dit, madre, laisse. Laisse. Dieu va faire ton palabre. Sinon, j'allais citer le nom de tout un chacun. Et puis, il verse l'eau. Tous ceux qui viennent, oui, oui, et puis, il verse l'eau. Et puis, il verse l'eau. Et puis, je verse l'eau. Et puis, je tourne d'eau. Et puis, je laisse ça comme ça. On dit, madre, laisse. Madre, laisse.
Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez pas me salir. Je suis clean. Je dis, sortez quand même. Hey. Attends, il était en relation quand même avec plusieurs personnes. Quand même son ex. Elle a quoi à me protéger? Son ex a quoi à me protéger? Elle a fait un live hier. Matt a fait un live hier. Elle dit, ah, par contre, ça, je ne connais pas. Matt est dans le téléphone. Elle est dans le téléphone de tout. Ça fait quand même depuis 2019, 2020, quand même, que je cause. Je cause quand même avec Jessie J, quand même. Et depuis 2020, il n'y a pas une trace quand même que Matt... Elle, Matt va me protéger, moi, maman Francine, moi, ici, là. Où je ne suis pas en contact avec elle. Où c'est Glizio. Où, actuellement, là, chose comme on appelle, j'appelle la nouvelle conquête de mon fils, ma belle-fille. Voilà l'occasion où elle m'a dit, oui, j'ai des preuves. J'ai regardé dans le téléphone de Jessie. J'ai vu photo, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ah, par contre, voilà ça. Matt de Mathia a toujours dit que ça là, je ne suis pas au courant. Ça là, je n'ai pas vu. Ça là, par contre, je ne suis pas au courant. Tout depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais c'est l'occasion de me dire que pourquoi la madre aujourd'hui soutient la nouvelle conquête de choses comme on appelle de Jessie, mais elle a dessin. Parce qu'elle est en train de mettre des postes. Elle met des postes. Elles sont en conflit. Mais elle pouvait me déposer aussi. Elle pouvait mettre ça clair. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Et puis elle m'aimait ça. Il n'y a pas. Parce que je discutais aussi quand elle était avec mon fils. Au téléphone avec elle. Et quand j'appelle, c'est sur haut-parleur à chaque fois. Maman, fais-le surtout avec la liqueur. Oui, la liqueur, je sais. J'ai dit l'eau, tranquille, mais la liqueur, je sais. Ah, je suis à Caen, non? Je suis à Caen, hein? Je sais. Hein? La nouvelle conquête aussi. Fâchée. Sa maman. Elle a le téléphone. Elle peut regarder aussi pour dire que mais c'est quoi cette histoire de maman. Et puis casser. Mais comment ça se fait que vous, on trouve pour vous dans le téléphone. On trouve ce que vous faites dans le téléphone. Et puis moi, pour moi là, attends, pour moi là, c'est la magie. Pour moi là, attends, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas pour moi là. Pour moi, là, c'est la magie ou quoi. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de soupçon, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez déposer. Attends. J'ai dit. On va faire le combat d'Emmanuel qui est à point. N'oubliez pas le livre. Où est le livre? N'oubliez pas le livre d'Emmanuel Keïssa, ma Juju. Un très beau livre d'ailleurs. Bien riche. Voilà, à chacun son livre, c'est le plus important. Nous sommes dans le combat. Voilà, mes Amazon et mes guerriers, excusez-moi, oui, vous voyez que la madre est sur un sujet depuis combien de temps, parce que nous sommes dans un combat, il faut, voilà, la vérité doit être dite, donc voilà le livre d'Emmanuel Keïssa, mise à nu, très très important, à chacun son livre, pour que nous puissions lire le livre, allez-y, vous pouvez aller à la FNAC, voilà. À la flaque, et puis merci pour tous ceux qui m'ont donné des étoiles. Je n'ai pas dit votre nom, voilà. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, je vais poster la vidéo de Teisson. Vous devez partager au maximum parce que notre cible c'est Teisson. Nous ne vont pas nous détourner la face pour dire non que attaquant maman Francine Ba, comme ça, tout le monde les gens vont tourner leur visage vers maman Francine Ba, et puis on va oublier Teisson, la gouvernante, la boniche, la laveuse d'assiette, la sale chose, la traite, l'ingrate numéro 1 du méta. On va oublier ça parce que les gens vont aller sur le sujet de maman Francine Ba, soit disant qu'elle couche avec Jessie, elle couche avec Jessie. On s'en fout de ça. On s'en gabarit de ça. Je remercie toutes ces personnes-là qui viennent, qui savent la vérité. Et la vérité va vous affranchir. C'est ça qui est le vrai point. Ce que vous attendez. Ah, Jessie dit que oui, l'amour. Et que vous attendez là. Vous avez tapé poteau. Ça vous fait mal. Vous sautez. Vous caricaturez. Vous déposez sur vos pages là-bas, vous tous. Vous êtes encore petit dans mon histoire. Vous êtes encore petit dans mon histoire. Vous n'en valez pas la peine. Parce que vous-même, au fond de vous, vous doutez de cette histoire.
Tellement vous doutez de cette histoire. Vous attendez à chaque fois. Est-ce qu'ils n'ont qu'à dire que c'est comme ça? Vous attendez à chaque fois. Dès que vous, ça court, vous attendez tellement. Vous n'êtes pas encore sûr. Vous n'êtes pas encore sûr. Ce que vous êtes en train de dire là, vous n'êtes pas encore sûr. Parce que quelqu'un qui est sûr. Est-ce que vous allez encore attendre à chaque fois ce qui se passe? Donc, merci. Donc, je suis désolée, je vais faire un coucou à Sabine Dié. Sabine Dié hier qui m'a dit dans mon live, la madre, on t'aime tellement, je t'adore tellement, tu es une grande dame, ne rentre pas dedans. Je voulais juste dire à ma chérie Sabine Dié, à ma soeur Sabine Dié, que non, t'inquiète pas, nous sommes des blogueurs et des influenceurs. Quand les gens sortent comme ça et qui sait, oui, on peut faire vignorer. Je fais vignorer sur beaucoup de lives, hein. Je fais vignorer sur beaucoup de posts, hein, que je regarde et que je rigole. Et je rigole et puis je dis que oui, c'est moi la tête à battre. Il n'y a pas de souci, mais j'ai le dos large. J'ai le dos large et j'ai un mari très très aimant qui comprend le game de Facebook. Voilà, il comprend le game de Facebook. Il sait que les gens sont là pour salir, pour détruire. Donc, il a compris. Il ne rentre pas là-dedans. Il n'est même pas là-dedans. Lui-même, il rigole. Voilà, il se marre. Il sait que son fils, Jesse, dit comme il me dit, lui, il est bavado. Ton fils, là, il parle, il se fait. Donc, c'est pas un problème pour ça. Mais il fallait que je sorte pour, comme on appelle... dit les choses, expliquer. Nous sommes des blogueurs, on ne peut pas, s'en passer de rectifier un certain nombre de choses. Je sais que toi, tu es une femme d'affaires, Sabine Dié, moi aussi, mais je ne suis pas trop femme d'affaires pour le moment, mais toi, tu ne peux pas trop rentrer dans ça, mais ça, c'est notre truc. Voilà, on vient, on éclaircit un certain nombre de choses, et puis... on passe à autre chose. Donc, ne t'inquiète pas, ça me passe. Depuis combien d'années? C'est les mêmes choses, hein? C'est pas aujourd'hui que cette rumeur-là est sur la toile, hein? Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui encore ça va sortir. Et puis, moi, ça va me déranger au point. Parce qu'ils pensent que tellement, ils vont dire ça, ça me fait tellement, je suis déjà passé à autre chose. Et je sais que ça, là, c'est des choses que ça va perdurer. Je suis passé à autre chose. Ce n'est pas quelque chose. C'est pas nouveau, au fait, pour que ça puisse me dire. Parce qu'au départ, quand Gayakuta t'avait dit, ça m'a surpris. J'étais étonné parce que j'ai dit, une vieille femme comme ça, chauve, peut mentir. J'étais surprise. Voilà. Mais maintenant, après, j'ai vu que bon, c'était, voilà, des mots, des cuillots dans lui. T'as mou. Voilà. Donc, c'est rien du tout. Donc, le livre, il est là. Le livre est présent. Voilà. C'est le plus important. c'est le plus important. Et puis, voilà. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci pour tous ceux qui ont mis les cœurs. Comme je vous ai dit, je suis en vacances. Je suis là. Merci pour tous ceux qui croient pas à cette histoire, et merci pour tous ceux qui me soutiennent, c'est le plus important. Le reste, vous savez que ce sont des détracteurs qui veulent nous détourner vraiment, comment on appelle, il y a un qui dit, Tico, tu n'as pas Mougou, et lui, tu viens pleurer. Je ne pleure pas, je m'explique. Ah, il faut bien qu'on s'explique. Est-ce que sur le méta, quand on parle, on ne s'explique pas? On s'explique. On donne des explications. C'est ça. Voilà. Et puis, pour votre gouverne, j'entends depuis sur des lives, son mari travaille la nuit. Bon. Pour votre gouverne, mon mari ne travaille pas la nuit. Il travaille en journée. Donc là, il est au boulot. Comme je vous dis que je suis en vacances, il est au boulot. Il ne va pas tarder. Il va rentrer tout à l'heure. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est très, très important. Donc, vous donnez des informations sans savoir exactement. C'est pour ça que j'ai dit, vous ne connaissez pas ma vie. Vous voulez savoir exactement ma vie, mais vous ne la connaissez pas. Lui, il travaille la journée, la nuit, il est chez lui à la maison. Donc, mes Amazon et mes guéris, merci à ma fille. Comment on appelle, ML révélation divine, je te claque le bisou depuis ta position. Je te claque le bisou depuis ta position. Que Dieu te bénisse abondamment
et que Dieu te, voilà, te protège. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, je vous dis à tout à l'heure. Et puis, voilà. Laissez les commentaires là. Laissez les commentaires là, mon cher. Tout ça là, c'est ça. Et puis, ça peut faire mal. Hein. Ce n'est pas sur. Ce n'est pas sur ma page monétisée là. Ça me fait mal même. Ça me fait mal. Ça, c'est sur ma page qui n'est pas monétisée, qu'il y a les étoiles seulement. Donc, pour clore ce live là, je suis la femme lourdement mariée. Oui, lourdement mariée et fidèle à son mari. Oh, ce n'est pas du jeu. Buvez de l'eau et puis suicidez-vous en groupe là-bas. C'est ça qui est le vrai point. Le vrai point là, c'est ça qui est là, c'est ça qui vous fait mal. Et c'est ça qui vous dérange. Et ça qui vous mélange les neurones. Allez-y, vous les femmes djandou pipeuses, celles qui pipent. Les gars, sur, allez-y vous chercher là-bas. Vous allez faire la coalition des djandjou, la coalition des bordels, la coalition des djantras, la coalition des toutous, sans oublier votre coach. Vous la ramenez là-dedans, comme ça, elle sera la patronne. Sans oublier la mère de Ploplonou d'Antiré, qui a le brassard de femme infidèle, voilà, qui prend des enfants pour ramener. Sans oublier cette, sa mère, vous la regroupez là-dedans. Ouf. Voilà, vous faites votre réunion de djandjou en global et après vous venez me trouver. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle être fidèle dans son foyer. C'est ça le plus important. Merci. Prenez soin de vous. On est ensemble. Partagez la vidéo là tout à l'heure. N'oubliez pas. Ciao, bisous.